Ça fait très Et puis nouvelle règle. C'est quoi comme musique ça? Vous savez ou pas? Normalement ils mettent le titre, mais là il y a pas de titre. Mais là il y a pas de titre. Ça fait très boîte de nuit, je trouve. Ça fait très zouk. Tu crois que c'est Black Room Orchestra? Non. Ça sent qu'il traîne beaucoup au casino ces derniers temps avec les arnaques. Mais non, mais non. Summer Heat. Point, 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 MP3. Tu vois, Minouche? Tu vois, finalement, on n'a pas arboré de Marcel. On a pris notre plus beau polo. On l'a mis dans notre plus beau pantalon. On a mis notre plus belle veste. Parka, on va dire. Et nos plus belles baskets avec nos plus belles chaussettes dans le pantalon. Et ça, c'est quand même plus beau qu'un Marcel. On était parti en Marcel au départ, mais en fait, ça n'allait pas trop. Il a du style. Mais oui, il a du style. En vrai, il y a juste un truc, c'est la coupe de cheveux en vrai. Les lunettes aussi, on n'est pas fan, on n'est pas fan. Est-ce que j'ai des potes? Ah non, j'ai pas de potes, putain. Putain, merde. Ah, pas de potes, putain, merde! Est-ce qu'on a des sous? 307$ et 285. On est donc en positif. La veste, elle est glitchée, comprend pas les taches beige là. Mais non! C'est la veste, c'est des poches. Pas de salut au réveil. Ah non, pas de potes. C'est des poches en fait. Vous avez pas compris que c'était des poches? Faut ouvrir votre esprit, hein. C'est pas possible, hein. Il y a un récap? Ouais, ouais. Point d'exclamation résumé. Point d'exclamation résumé. Il a 33 ans, c'est sûr? Ah ouais, c'est sûr, il a 33 ans. Voilà, c'est bon. Merci Audrey pour le point d'exclamation résumé. Hop, notre petite voiture, putain, mais là c'est bon. Là on est équipé. Là on est giga bien. Zuber. Non, en gros, event. Freddy et convoyeur de fond. Commence à avoir une petite addiction au casino quand même. Hein. Et puis il fait que de gueuler parce qu'il gagne que 50$ quoi. C'est honteux quoi. Mais oui, il fait plus âgé. Après, écoutez, ce que je vous dis, arrêtez de juger les gens sur leur apparence physique aussi. Hein. Au bout d'un moment. C'est 1000 balles perdues sur un blackjack quand même. Ouais, mais hier on a bien gagné. Hier on a bien gagné. Hier on a gagné au moins. On est ressorti en positif du casino au moins avec 400$. C'était incroyable. Non, pas attaché. C'est l'orbiron. Freddy est légèrement proche de ses sous. Approche de ses sous quand on n'a pas forcément. Eh oui. Hello. Parce qu'on l'a déjà changé parce qu'il y en a deux des. C'est quoi, c'est en long? Ouais, c'est celle-là. Au début on a mis celle-là. Oh, faut pas mettre la mulette. Hein. Attendez. Débloquer la caméra. Voilà, 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 voilà. Voilà. Ça c'est la coupe de cheveux de brigand ça. Là on a celle-là. Le mulet. C'est pas les mêmes? Et non. Il y avait le coupe de cheveux.
Mais non. Y a qu'une. Ça c'est du rock. Attendez. Non. Si. Mais non, parce que ça. Vous voyez, sachant qu'il est tout le temps comme ça, ça retire de sa. De ce... Il est limite trop beau là! Il est trop beau! Attends. Attendez, il y a peut-être des barbes. Putain, c'est dommage, hein. Putain. Putain. On va pas remettre des rouflaquettes, hein. Il n'y avait pas ces barbes-là avant là. Si? Ah si, peut-être. Putain, c'est con, hein, putain, vraiment. Pas avec la barbe, hein. Juste avec ça là? La barbe côté, non? Ou ça? La barbe mal rasée de... Mal rasée. Bon, soit ça. Ça. Barbe SM. C'est quoi barbe SM ironique? La SM. C'est quoi la SM? Oh! En vrai, ça passe bien, non? Il est trop BG là. Sans les lunettes. Peut-être changer les lunettes, non?
Peut-être changer les lunettes, hein. Les lunettes vont pas trop, ouais. Les lunettes vont pas du tout. On va changer les lunettes. Attendez parce que... Ah non, c'est une animalerie, ok. On va changer les lunettes. Mais il faut que ça aille avec la voix aussi là. Hein. Bon, en fait, faudrait des lunettes un peu... Des petites lunettes carrées ou je sais pas... Ah mais cette banane! Oui, alors petit rappel, parce que je vois dans le chat, ils sont pas contents parce qu'ils se sont fait ban, parce qu'ils ont backseat. De 1, éviter de backseat et HRP parce que hier c'était insupportable. Hein. Donc la modération fait ce qu'elle a à faire. Et en plus de faire ce qu'elle a à faire, ça sert à rien de protester parce que la seconde règle, c'est que la modération a toujours raison. Voilà. Donc si vous n'êtes pas content parce que vous êtes fêté ou pendant 10 minutes et vous n'avez pas pu parler dans le chat pendant 10 minutes et que au bout des 10 minutes vous venez pour dire que vous n'êtes pas content, eh bien sachez que moi personnellement j'en ai strictement rien à branler, voilà. Et que la modération aussi. Et que si vous n'êtes pas content, ben allez parler HRP ou ce que vous voulez sur un autre stream. Voilà. C'est juste un petit rappel, voilà. Et la troisième règle, il faut boire avec la, il faut boire avec modération tout court. Ouais, tout court. Et encore, c'est gentil 10 minutes, mais oui, non, mais totalement. Faire sim, il y a quasi jamais de ban perm et tout, parce qu'en général, le chat, c'est bien se tenir, etc. Faut pas crier au scandale quand c'est un ban de 10 minutes, ça peut arriver, c'est pas grave. Personne va en mourir. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On sera. Hein, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas dramatique. Vous faites Théo pendant 10 minutes, c'est que vous avez peut-être que. C'est que vous avez peut-être commis une erreur, et voilà, c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. Moi, jamais trop, mais FC full screen au pire. Au pire? Ah, Maxime, t'es pas en full screen au début du stream, toi, hein? Oui, mais c'est ça ce qui est frappe. Hein. Parce que tu m'avais pas compris et j'avais rien dit, c'était mérité. Oui! Ah merde, c'était. Oui, c'est vrai, Berntet, des fois je m'emballe. C'est vrai, tu vois, des fois je comprends pas des messages et tout, tu vois, ça peut arriver. Mais bon, c'est une des rares erreurs que j'ai pu commettre dans ma petite vie. Le volume du sac? Ah oui. Ah oui. Ça se conduit bien cette petite merde, hein. Et bon voilà, c'était juste une petite parenthèse pour remettre les choses dans l'ordre. Ah putain, mais non, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Hop là, petit plein d'essence. En vrai, ça ferait une super voiture de gang. Ah, ce serait incroyable comme voiture de gang, hein. En vrai, elle est stylée, hein. En vrai, c'est stylé. Le problème, c'est que t'as besoin de voitures rapides, etc., etc., quoi. Et le seul petit hic,
C'est qu'en gros, quand tu la sors du garage, tu sais jamais si elle va sortir. Donc juste comme ça, ou avec les fenêtres en plus, ou sans rien. Et du coup, c'est vrai que c'est chiant. Moi, je préférais qu'elle sorte tout le temps sans rien, tu vois. Et c'est une de place, ouais. Ah, j'ai pas regardé au fait. Merci de me noter en liste d'attente pour transfert. Merci beaucoup, Ananas, Poivron, Merguez, Pizza. Merci beaucoup pour les 100 bits. Et bon courage à toi pour cet après-midi, Ananas, Poivron, Merguez, Pizza. Par contre, faut arrêter de changer de pseudo tous les mois. Hein. C'est insupportable. Hein. Oui. Hein. Hop, hop. Cretin. Elle est trop bien cette coupe de cheveux. Non? Hey. Les petites lunettes carrées comme ça? Hey. Hey. Attends, on va regarder. Hey. Attendez. Attendez. Hey. Oui, bonjour, salut de l'ombre, oui. On dirait la coupe d'un streamer que je connais sans calvache. Hein? Comment ça, Jonky? Hey. Tu veux dire quoi? C'est celle-là qu'on a là? Non, c'est pas celle-là. Hein. Hey. Attends, 233. Hey. Hey. Des lunettes comme ça? Hey. Je suis pas fan, hein. Si? Hey. Je suis pas fan du truc, hein. Pour flamber au casino. Hey. En vrai, attends, j'ai vu les 233 là. Bonjour, Iskiros. Hey. En vrai, je suis pas fan des. Hey. Hey. Hop. Hop. Bonjour. Prince, merci beaucoup pour le cinquième mois d'abonnement, pour ton Prime. Merci énormément. Re-bienvenue à toi. Comme ça, c'est bon ou pas? En vrai, c'est la coupe de cheveux, je trouve qu'elle est. En vrai, la coupe de cheveux, je suis pas fan. Hein. La banane. Puis ça appuie avec la voix là. Qu'est-ce que je veux dire? J'aime plus comment on fait la voix.
sais même plus comment on fait là. Bah il fait pas assez bouffe. Il est trop beau en fait. Non, il est trop beau. Non, on va remettre la coupe. On va laisser la barbe comme ça en vrai. On va garder les lunettes, mais on va changer de coupe de cheveux. La banane, ça fait trop. C'est trop bien. Et il est comme moi, Evar, il est trop beau. Hein. Fil dégoûte. Bah ouais, je suis désolé, mais non, mais il est trop beau. Regardez, il est trop beau en vrai. Ça va pas du tout, ça. Mais non, mais Persica, tu vois ce que je veux dire, quoi. Le truc, c'est qu'il est stylé là, en fait. En fait, sa tête a du style. Ouais, trop propre, voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Alors, soit celle-là. Soit celle-là. C'est quoi la différence entre les deux? La Flynn. Ou celle-là? C'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. La banane est tellement bien. Non. On ne me ferait pas faire des bêtises. Ah merde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore là? Putain, on a bloqué la banane dans le dans la chaise là? On peut pas. Non mais c'est un monde ça, c'est un monde! Mais je vais appeler. Oui, je vais appeler les médecins ou je sais pas qui là. Hein. En plus, c'est pas les. C'est les bonnes lunettes là? Si, c'est les bonnes lunettes. Là, il a quand même plus de style. Hein. Il a quand même plus de style. On appelle les flics. Je me pose la question même, mais répondez pas. Hein. Enfin, parce qu'on va appeler les flics, les médecins. Ouais, les médecins, on va pouvoir faire. Pff, quelle histoire encore là? Bonjour Ascord, oh, encore une star sur le chat là. C'est insupportable. Croyez que c'est parce qu'on a retiré la banane? C'est à cause de ça? Peut-être que ton destin serait de quitter l'MST et de faire coiffeur? Putain, ah, guichetier au coiffeur là. Derrière le guichet là, au coiffeur là. C'est une évidence. Détends-toi, Freddy, je te sens énervé.
Attends, parce que je sais plus faire la voix là. Oui. C'était ça? Je sais plus. Ça va revenir tout seul. Écoutez, un jour une voix, vous savez. Un jour un destin, une voix. On verra bien ce que ce sera aujourd'hui. Ça va et toi, Caillou? Ouais, ça va. Mais attends, mon appel n'a pas été pris, au fait. Putain, mais quelle vie de merde! Mais c'est terrible, hein. On va jamais s'en sortir, là. Il n'y a pas un flic? Mais attendez. Bah après l'avantage là c'est que je suce du salaire comme Jajal hein. Alors là bloqué comme ça au coiffeur. Hop 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 hein. Même pas besoin d'être en arrêt de travail et tout, franchement easy life. On va voir si les médecins sont. Les médecins sont là. Peut-être me mettre en arrêt de travail du coup. Choc psychologique. Un arrêt de travail de 3 semaines au moins, non? Minimum, minimum. C'est terrible ça. Il nous arrive que des galères. Franchement, on n'a pas de chance. Franchement, on a vraiment pas de chance. Je dirais même plus le trauma et tout. Bah, attaqué par une chaise, il quitte son job. Enfin, c'est une sorte d'escape game du cheveu. Arrêtez, je suis invité dans un escape game le 31 octobre. C'est le jour d'Halloween là en fait, je viens de tilter. Dans une prison. Au secours! Mais alors, vous êtes bloqué sur le Eh oui, je suis bloqué! Ton disque. Oh! Voilà. Oh, j'ai où là? Ah, bah c'est bon. Oh, bah mais dis donc, merci. Monsieur? Oh, bah oui, ça va mieux là. Oui, faire gaffe, Ah, bah oui, mais merci, tu sais, oui. n'importe comment, des fois on reste bloqué. Ah, oui, ça arrive, hein, je suis pas le premier, je suis rassuré. Oui, Je pensais que c'était moi. oui, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, mais oui, c'est pas arrivé, oui. Ah, d'accord. Et puis le SPD Oui, répondait oui, pas. oui. Mais... Ah, il répondait pas, merde. Du coup, je me suis dit, je vais appeler mes tiens. Ah oui, vous avez bien fait, hein. Hey! On doit bien, sinon ça va, vous avez pas trop eu mal. Oui, ça va et vous? Ça va. Vous C'était êtes. vous les avec, avec la musique qui tapait à fond hier. Comment ça? Mais vous êtes parti avec la musique à fond. Et Avec tu ma m'as petite dit. voiture? Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Oui. Enfin. Bon, ben merci bien en tout cas, hein.
Y'a pas de soucis. Oui, bon bah allez. Bon courage à vous, Bonne passez une bonne journée, au journée. revoir. Au revoir. J'ai fait cuc? Mais non. Bon, qu'est-ce que c'est que... Ah, faut que je retrouve... faut que je retrouve là-haut, là, ça, pas du tout ça. Heureusement qu'ils sont là, les docks. Hein. Ah là là. Hein. Putain, mais c'est pas possible. Bon alors. Mais ça doit être le traumatisme de la chaise, oui. C'est ça à peu près la voix. Hein. Je sais pas ce qu'on l'a là. Je crois que c'est à peu près ça. C'est que je m'entraîne aussi à chaque fois de lancer ma session. C'est pas ça, putain! Oh, je sais plus. Bon, bref. On s'en va. Allez, c'est pas grave. On dirait Stallone déguisé. Mais oui, non, mais c'est. L'autre jour, j'ai l'impression de faire Stallone déguisé. Un jour, une voix. Un jour, une voix, c'est parti. C'est moi. Oui. Non, c'est... Salut. Salut. Ça va? Ça vient? Ah Allez, toi? ouais, ça va. Hein. Bah alors, ça va mieux? T'as plus ta jambe dans le plâtre? Ouais, c'est bon, je l'ai plus. Ah bah c'est bien. Bah je voulais voir si on pouvait travailler. Oh bah oui, si tu veux, on travaille ensemble. Comme tu veux. Si tu veux, oui. Je vais poser la Oh bah oui. voiture. Ouais bah je viens de chercher au je viens Vas-y, de chercher ouais. au garage Vas-y. LSMS. Ouais, vas-y, ouais. Oui. 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 C'est grave, hein. Oui. J'ai appris d'Amanda Altaï, hein. Dans Star Academy à l'époque. J'ai appris à faire mes vocalises comme ça. Ça manque un peu de gras, bah oui. Oui. Non mais vous inquiétez pas, ça va le faire, vous inquiétez pas. Oh là là, mais... Mais doucement, Jordan! Allez, Hop, c'est ceinture. bien. Oui. Alors, t'as gagné au bar hier, alors? On est arrivé cinquième. Et il y avait de l'argent à la clé, hein. Ah oui? Il y avait 10 000 balles. Eh ben, t'as gagné combien, toi? Bah, j'ai rien gagné, on est arrivé cinquième. Ah bah oui, bah oui, bah t'as, oui, bah c'est... Sur combien? Bah sur 5? 9 je crois. Non, non, 9 équipes je crois qu'il y avait. Ah oui, dis donc. Mais tu l'as fait avec qui du coup? Monsieur Pat Tom Clinton, Pierre et Esteban. Ah, il y a le patron. Ouais, les deux. Ah oui. Ah oui, il y a Pierre, oui. Ils ont posé des questions sur Los Santos. Moi, ça fait 4 semaines que je suis là. Quel genre de question? Pourquoi? Pourquoi la place Wolf s'appelle Wolf? La Et place Wolf? pourquoi? Il y a un loup, C'est un ancien. il y a peut-être un gros loup au milieu Non, de la c'est. place, non? Non, c'est un ancien gouverneur qui s'est fait assassiner, il paraît.
Ouais. Donc ils ont mis son nom dessus. Ah, d'accord. Pour la télé. Donc en fait. Après, quel est le premier parti politique qui a été créé à Los Santos? Oui, c'est quoi? Je m'en rappelle plus. Ah. Bon, attends, je vais me Ouais, changer. Hein. vas-y. Ouais, Je vas-y. me dépêche. C'est là-bas. Hop là. Non, c'est pas le Parti libre. Le Parti libre, il était créé 2 semaines après. C'était. Merde, c'est pas là. C'est l'UCD, je crois. C'était le parti de Connor. Mais c'est pas là non plus. Mais c'est où, bordel? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est là. Hop là. Ah oui, il y a DS1, voilà. Avec Jordan, il va me donner ses combines pour être en arrêt de travail. Hop là, du coup on part tous les deux, hein. Ouais. Hop là. Bah, je prends pas l'initiative de te laisser tout seul dans un fourgon. Oui. Moi je l'ai fait hier Surtout après-midi, qui. hein. Surtout hier, je me suis fait braquer moi. Comment ça? On partait en saisie au LSPD. À la fin Mais du t'as tunnel, travaillé hier? hier soir vers 23 h. Ah oui? Et puis qu'est-ce que t'as eu? Ouais. Donc à la sortie du pont de militaire, Et? une exemplaire s'est mise au milieu de la route. Il y a Esteban qui a réussi à l'esquiver. Moi j'ai voulu l'esquiver, mais il y a un autre véhicule qui m'a foncé dedans. Oui. Et derrière il y avait une Sultan classique arrivée derrière, m'ont braqué direct. Avec Merde. leur AK. Ah putain, mais tu leur as laissé le camion? Bah, on va dire qu'ils voulaient pas le camion. Qu'est-ce qu'ils voulaient, ce con-là? Les informations des nouveaux contrats qu'on a avec. Attends, ils t'ont braqué, ils ont laissé le camion et puis ils t'ont embarqué juste pour des informations là? Ouais. C'est quoi Ah cette connerie? merde, juste. Oh putain, mais J'excuse. qu'est-ce que tu fais? J'excuse, mais je regarde. Mal la route. Ah, je regardais le GPS et j'ai dit bah merde, on a J'ai cru que t'allais te la loupé reprendre, j'ai cru que tu te foutais de ma gueule là. Et attends, tu. Ouais, il voulait juste savoir les informations des nouveaux contrats, comment ça se passait. Tu les as balancés, j'espère, hein. Bah ouais, j'ai dit les nouveaux contrats, c'est pas un secret hein, comme le patron il a dit hein. Il avait dit qu'il allait faire à communiquer sur ça, comme ça, il n'y a plus personne qui sera braqué pour ça. Attends, c'est pas normal. Et on n'a pas des primes de risque là? Non. Donc moi là je T'as gagne. signé pour ça aussi, hein. Comment ça j'ai signé pour ça? J'ai pas signé 5. J'ai pas signé pour 50 $ du quart d'heure pour me faire braquer tous les 4 matins. Hein. Eh, toi ça va, c'était 50. Moi c'était 35, hein. Et les paliers ils ont changé, hein. Ah oui, bah si tu. Bah t'as qu'à gueuler aussi, hein. Si tu dis rien, moi c'est pas de ma faute. Donc attends, t'es en train de dire que le vendeur Uber Eats là, qui travaille au restaurant, il gagne pareil que moi en fait. Ouais, je pense, ouais. Lui, y a personne qui va le chercher avec une AK-47 là. Oh! J'ai déjà entendu dire que, tu sais, J'ai ceux pas qui les travaillent clés. dans le nord. Ah oui, j'ai oublié de te donner les clés. Tu sais, ceux qui travaillent dans le nord, au blé d'or, dans toutes les entreprises du nord. Des fois, ils braquent les personnes en plein dans le chantier. Et Et oui, on va en face. puis qu'est-ce qu'ils Ils les font? braquent et bah après, ils les emmènent dans des. Comment ça s'appelle? Attention, Fredio. Attention, Jordan, pardon.
Et après, il les emmène dans des magasins pour faire otage. Ah oui, ben ça, ça peut tomber sur n'importe qui. Ah bah oui. Ah bah oui. Oh tiens, il m'arrive une sacrée histoire là, ici aussi, hier. Là. Ah. Oui, ici, oui. Non. Si, si. Un mec là qui était resté derrière le camion, il voulait plus bouger. Je voulais pas ouvrir les portes voilà, du camion avec le mec derrière. Oui, j'ai appelé les keufs. Mais non, mais attends, toi là, hier, t'étais kidnappé ouais. Parce que tu trahis la MST. Ouais. Oui, voilà. Les autres là, comme tu dis, sont kidnappés. Ça peut être n'importe qui peut être kidnappé. Oui. Et toi, spécifiquement, hier, on t'a kidnappé parce que tu trahis la MST. Ouais, c'était pour. Ah ben. Bah, oh là là, Jordan, fais gaffe, t'as l'arme dans la main, bordel. Non, j'ai pas le doigt sur la gâchette. Mais jamais le doigt sur la gâchette pour l'instant. C'est pas normal. Ouais, c'est de parler au patron, hein. Ouais, je vais lui parler, ouais, tu vas voir. Oui, parce que. Oui. Après, il va pas m'écouter, moi je me suis pas fait kidnapper, alors il va me dire, eh bien, on verra le jour où ça t'arrive. Ah, mais là, ah non, j'ai eu peur, putain, Jordan, hein, fais pas le con. En 2 jours de braquage, hein, quand même, pour les mêmes informations. Dis-toi. Non, ah, un autre collègue. Ah oui, ah bah non, bah moi je vais gueuler. Je suis pas. Oh, ça va bientôt être résolu, t'inquiète. Je suis pas venu ici pour souffler. Ok. Mais pourquoi il fait pas une conférence de presse, le patron, tant qu'à faire? Comme ça, il va le faire. Ah oui, bah il serait temps, oui. Tu sais, il donne toutes les informations de tout le monde, là, et puis voilà. Hier, c'était marrant. Bah, tu sais, tu vois, les braqueurs, ils ont insulté de con leur partenaire qui était dans l'autre voiture. Pourquoi? Parce qu'ils se prenaient avec mon camion. Ah, mais ils ont piqué le camion quand même! Ouais, mais 2 secondes avant, les gars qui étaient avec moi, ils l'ont appelé, ils dit laisse le camion et tu te bats! Et eux, ils se promenaient avec le camion. Donc, il les a insultés. Qu'est-ce que c'est que ces mecs encore là? Ils se sont fait attraper au fait? Il paraît que oui, ceux de la première voiture. Oui, mais la deuxième, je sais pas. Et ben ça, c'est encore des sacrés guignols. Et t'as porté plainte? Je vais y aller aujourd'hui. Bah oui. J'attends mon avocat. What is wrong with you? Ah, c'est qui? C'est Mathias? Herbie? Bah Herbie et Mathias, c'est le même groupe. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit hier. Mathias, il m'a expliqué. Diamond. Oh, tu vas aller au casino, t'es sûr? Pourquoi? Tu veux pas y aller? Ça me rappelle des mauvais souvenirs à chaque fois que tu veux. Pourquoi? C'est passé quoi? Moi, je suis un peu joueur dans l'âme. Hein. Ah, ok. Je suis joueur de cartes. Tu veux qu'on l'esquive? Oh, si tu veux, oui. Ah, c'est pour toi, c'est. Je veux pas. On va à Mirror alors. Oui, Mirror, allez. Oh, merci Jordan. Et de rien. Afobank, t'as utilisé ou pas? Ah non, pas du tout, tiens, je regarde. Savoir quels l'ont rempli en premier? Dans le sud, Place Wolf. Sud, Place Wolf. Ok, oui. Bah si c'est celle qu'on fera en premier. Et toutes les autres, elles sont au top. Après, à part une dans le nickel, nord. Nickel alors.
Non, j'ai pas été regardé. Ah oui, le distributeur. Celui-là, il est bon. Ouais, il est bon. Bonjour. You animal. Ah oui, oui, oui. C'est Todd. Mais je fais 7 sacs, dis donc, ouais. Oh la vache. Ça marche bien, c'est super. Parce qu'il me disait l'autre jour, Herbie, que tout le monde. Il y a 50% des gens de la MSC qui finissent sur les Speedy. Bah ouais, bah c'est ce qu'on m'a dit aussi, mais moi je sais que je reste à la MSC moi. Et toi, tu veux y aller? Bah je sais pas, parce que quand je suis arrivé, on m'a dit que ça gagnait 80$ au les Speedy. Et puis écoute, moi je les vois jamais, à chaque fois ils sont le cul dans leur bagnole, là, tranquille. C'est limite moins risqué que la MST. Il s'est payé plus en plus. La dernière fois, la SPD se faisait tirer au... au Uzi, hein. Comment ça? On commence à sortir de la MST. Et là, on voit les SPD et des motos... Comment ça s'appelle? Des motos passées et les motos tirées sur le LSPD. Oh putain, mais tu... Oh, mais t'inquiète pas. C'est comme ça, moi je me cache dans la voiture et puis voilà. Et attends, tiens d'ailleurs, question. What is wrong with you? Ouais. Attends, j'ai regardé derrière. C'est beau. Hier tu t'es fait... Vous étiez en train de rouler? You animal. Mais du coup t'étais dans le camion et du coup tu sors du camion quand c'est comme ça? Ah bah ils m'ont fait caler mon camion. Ouais, mais parce que c'est quand même un camion blindé, non? Non, je sais pas, je te demande. À l'arrière, ouais, mais pas à l'avant. Ah, pas à l'avant, ouais. Ah oui, donc si t'es derrière... En fait, si t'es derrière, admettons on est trois. Vous êtes deux devant, et moi je suis derrière comme l'autre jour là. Et toi tu te caches. Oh, bah, je vous laisse. Là ah, je reste là derrière et puis moi j'appelle les flics au téléphone. Ah oui. Et puis je vous laisse vous démerder vous devant. Voilà. De toute façon, il y a 50. Ça, 50$, t'inquiète pas que je vais pas venir vous sauver non plus. Eh oui. Bah Esteban, lui il s'est barré, hein. il m'a laissé. Hein. Bah normalement, ouais, c'est normal, hein, 50$, tu rigoles ou quoi? Dans la comment ça s'appelle? Et moi tu sais ce que je fais limite? Dans la procédure c'est le camion après la personne. Moi ça peut même m'arriver, je m'arrête et je leur dis tenez voilà les clés, prenez le camion, au revoir messieurs. Merci, bonne journée. On va faire tatouer. Ouais. La procédure, oui, mais attends. On gagnerait 500$ du quart d'heure, je vais bien, mais au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ah, il paraît que c'était. Ici, c'était un ancien club de motards qui est. On n'avait pas le droit d'aller là. Il y a combien de clubs de motards là-dedans? Non, le motard, on m'en parle tous les jours. Ah, ici, on n'avait pas le droit d'y aller, il paraît. Oui, il faut faire attention, c'est des bagarreurs. Nanani. Hop. Ah, tiens, il y a même une machine à café là, tiens, tu vois. Hey there. Mais c'est vrai que nous, on a eu. Ah merde! Attends, j'avais oublié de peser mes sacs, merde. Ah mais putain, mais il est plein en fait. Remonte. Ah il est plein, hein. Alors remonte vite. Ah bon, remonte vite. Faut que je cours. Qu'est-ce qui se passe encore là, putain? Allez. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué là. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu veux pas que je monte dans la caisse plutôt? Dans la caisse. Oui, bah comme ça, bah, je suis bien.
Non, c'est pas ça, il y avait quelqu'un qui était en train de voler une voiture juste à côté là. Ah. T'as appelé les keufs? Non, non, je me suis taillé moi. J'ai rien vu. Tout droit, faut pas y aller. Hein. C'est des petites taches rouges. Ouais, c'est ça. T'as encore des sacs là? Sans toi? J'en ai un. Et le camion il est plein? Oui oui. Ok. Bon, on va faire le magasin de vêtements et le magasin de la supérette. Et la supérette. Que même peut-être que la supérette. Oui, c'est une belle supérette ça. Hey friend. J'en ai 6 sur moi là. Putain. Ah. Oui, oui, oui. Hello, friend. Allô, bonjour. Oui. Ah, ok, vous venez de vous réveiller, c'est ça? Hey, friend. Ah, ok, je suis parti en tournée, là, moi. Du coup, je vous rappellerai quand je reviendrai au dépôt. Il y a à peu près 5-6 véhicules à réparer. Ok, merci. Bah, je vous rappellerai quand j'y serai. À tout à l'heure. Hey, friend. T'en as combien déjà, tu m'as dit? Là, j'en ai 6. 6, donne-moi en... Bah, voilà. Combien? Et c'est... Hello, friend. Tu m'as donné 3, là. Non, j'aurais donné. Non, j'aurais donné. C'est parce que t'as ramassé à lui, je okay. pense. Ah oui, ouais. J'en ai 9, 9 pour bien 13, 4. S'il te plaît. Et c'est avec toi pour voir. Hello friend. J'en ai 8. 8, c'est bon, ok. Non, je fais une connerie, j'en ai 6 en fait. 6? 6. Qu'est-ce que je fais, on va super être en face? Ouais, mais on va en véhicule. Ouais, ouais. Je te dépose là, je vais mieux me garer. Bonjour monsieur. Mais Elle est 8? Non, fait 5. Elle y va. C'est bon, j'en ai 8. On a donné combien? 2. 8. Attends, tu peux m'en redonner je, du je, coup. Je... 5. 5? Alors 4. Non, 3. J'ai pas de place de plus, c'est bordel. Voilà, 3. Ok. Ouais, on va voir si elle m'en donne 2. Ce serait bien. Ah bah nickel, 3. Et ben voilà. Non, il est mieux comme ça qu'avec la banane. Hein. Allez, hop. Allez, place Wolf.
Non mais après la banane ça pue avec la voix, tu vois, ça pue avec le... Il est trop élégant. Tu vois ce que je veux dire, je fais pseudo. Voilà, comme ça on accélère. Hop. Et... Bonjour. Bonjour. Ça, on pourra même pas la remplir complètement, je pense. On ira... Il y a la Pacifique, elle est pleine, non? Ouais, tout est quasiment plein, je crois. Regardez. Info MST. C'est où? C'est là. Hi there. C'est un great. Après, il faudra aller. C'est en grec qu'il faudra aller après. Celui-là il est plein, celui-là il est plein. Et distributeur. Il en reste encore à l'intérieur. Il en reste encore, ok. Ouais. Hi there. Ah, oui. Il est pas plein plein. Ouais, il va rester 800 $. Eh ben, je, tu l'as mis? Je peux pas les mettre. Okay. Hi there. Allez, il reste 200 $. Ocean Highway. Ah bah c'est celle-là. On va faire un... Je veux pas aller là moi. Ouais, je monte moi hein. Ouais, vas-y. La banane, ça fait trop perso troll. Non, ça fait pas troll. Donc vrai... on va faire la tournée côté... merde, comment ça s'appelle déjà? Prosperity. Et on ira oui. Sur la Pacific sur l'highway. D'accord. Et en vrai, la banane d'Elvis avec les roues flaquettes, ça va trop bien quoi. Mais bon, j'ai pas. On a fait des roues flaquettes. Dessus ou pas? J'entends un hélicoptère là. Ouais, moi aussi, il est au-dessus en haut à droite là, je crois, je l'entends. Mais en passant, on s'est déjà tapé deux ombres roues flaquettes. C'est pas pour en remettre. Regarde là, il est bien caché ce radar. Il est juste là là. Tout ça. Il est juste là, t'es à gauche là, à ta droite. En dessous du panneau, 2-6. Ah oui putain. Oh les enfoirés. Juste là, ah putain. Le pire c'est en revenant du Belize jusqu'au dépôt. Il est caché derrière un arbre. Du Belize au dépôt, oui. Il y a une ambulance derrière nous. Ouais. Attention mais. Et tu l'as ton permis toi? Oui mais je m'écartais pour laisser passer l'ambulance. Eh ben t'as pas dans les arbres. T'as pas des branches en moi. Allez, ils ont mis en rouge leur... leur camion. Ah oui, les ambulances, oui. Et puis hier, il m'est arrivé une sacrée histoire aussi. Oh. Je suis garé devant un coiffeur, il y avait une bouche à incendie. Dis donc, le camion s'est retrouvé propulsé en l'air à cause de la bouche à incendie. J'ai failli me retourner. J'ai failli me retourner. Ça va, pas trop peur? Ouais, non, ça va. J'étais sur les roues parce que je dis, il va falloir encore expliquer comment c'est arrivé ça. Hey, friend! Attends, j'ai gardé les 12 sacs, moi je suis con, putain. Putain, c'est technique, hein. C'est technique qu'on est hors de fond, hein. Il faut pas courir, il a dit merde. Hello, friend. Freddy a pas le temps tous les matins de faire la banane. Ah non.
3 sacs. Et c'est bon. Hop là. Merci beaucoup Bastine. Merci énormément Bastine pour le 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Hop là, la petite pharmacie. Et toujours pas de coma. Non. Aussi incroyable que ça puisse paraître, toujours pas de coma. Cinquante-neuf. Offre exclusive, une Italie GTB. 160 000 balles. 8 mètres. Je suis sûr qu'il est plein. Ouais. J'en ai deux. Ah si, j'ai regardé les distributeurs, il y a toujours, c'est toujours les mêmes de toute façon. Hein. Celui-là par exemple, tu peux, qu'il faut réapprovisionner. Ouais, bah, c'est du Diamond, je pense. Ouais, les gens ils vont toujours aux mêmes. Ceux de la Pacifique aussi. Hey. Tu es serein en vrai ou tu as la pression d'une agression? Ah, c'est quand la Pacifique est vide, ils prennent des distributeurs, des petits distributeurs à côté. Merci Karcher pour ta réponse. J'en ai 10 sur moi. J'en ai 6. Bon, on va faire la petite supérette. Oui. Je t'enfile. Je te fais. Parce que j'en ai 10 donc je te donne tout. Attends, t'en as 10, je t'en passe 3 déjà, moi je vais le faire. 2 tu peux, c'est tout. Ah 3 non, c'est bon, 3. Ça passe. What is wrong with you? Comment ça, bah dis donc.
3. Donc on passe 4. Non, plus que 4. 5 ça passe. Encore un. You animal. Hop là. Voilà. On peut rien dire, hein. Bah avant de terre contre. Il m'a dit que j'ai plus de place. Ah, ah oui, t'en donnais plein alors. Non, il en voulait pas. Il n'y en a plus. Putain, inventaire complet. Bon bah voilà. Pour parce que en fait le camion est plein, Tocho et Ceinture. On va aller sur l'highway donc. Oui, c'est bon. Monter sur la CEPAT juste avant la fléca. D'accord. Merci beaucoup Cody. Bon, c'est un peu moins de sac. D'entamer ton deuxième mois d'abonnement offert par Jean en vrai. Merci beaucoup Cody. En fait le camion est plein, c'est pour optimiser pour qu'on en prenne au maximum. Parce que les supérettes et tout, les magasins ça donne entre 2 et 7 sacs. Ah, sixième mois. Il entame son deuxième mois d'abonnement offert par Jean en vrai. Ah oui c'est vrai. Attends. Ça fait 6 mois. C'est incroyable. Merci pour ton sixième mois, Cody. Ah, le distributeur de Clinton, ils sont un peu usés. On aurait pu le faire tout à l'heure. Ah, j'ai peur. À Clinton. Distributeur de Clinton Alpha Street. Mais là on remplit la banque, on fait quoi? Là on va vite fait voir si tu peux prendre des sacs. Ah oui. Pour te bien te remplir. Allez. Hop, allez, donne-moi les sacs. What is wrong with you? Les sacs, sacs, c'est bien. Hop, c'est bon, elle m'a filé 5 sacs. Ah bah nickel. Salut, ça chatouille. Je crois que tu vas mettre que les derniers là. Ouais, 10 000, j'en ai mis 10. Attends, y'a pas de distributeur là devant. Sur le côté, je crois. Ouais, ils sont peut-être pleins aussi, non? Ah non, c'est même pas des distributeurs. Ils sont ils fonctionnent pas si. Si, je vais le mettre là. Y'a celui-là qui fonctionne. Ah ok, et c'est bon, il est plein. Il faut que je mette deux sacs, je crois, ouais. Ah merde. Attends. Ah bah j'en ai 3 et... Rien du tout. Ok. C'est parti où? C'est bon? Ouais. Courage, sans arme, s'il te plaît. Hein? Hein? Quand tu veux courir, range ton arme. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, pour pas faire le thé, oui, c'est vrai. On va dans le nord ou pas remplir la banque qu'il faut dans le nord? C'est laquelle? Blaine County, je crois. Attends, je vérifie. Blaine County Saving Bank. C'est laquelle celle-là?
Bah Flicker Route 68 c'est pas là, c'est celle de Palito je crois. C'est toi qui parle radio? Non reçu. Eh bien, ok. Ça veut dire là, quoi c'est... Je sais pas du tout. Et ça vient pas de chez nous donc C'est la radio qui déconne. Non non, c'est de la fréquence d'urgence qui s'est enclenchée et déclenchée. Donc c'est qu'il y a une urgence. Alors certaines entreprises annoncent leur tournée. Eh oui. Quand ils commencent, ils utilisent la fréquence d'urgence pour annoncer leur tournée au LSPD. Ah d'accord. Je trouve ça un peu débile, c'est une fréquence d'urgence, c'est en cas d'urgence pour moi. Non? Bah oui, sinon ça s'appellerait pas fréquence d'urgence. Mais tu peux envoyer un message au LSPD? Oui. De s'ils peuvent contacter le 6242. Tu marques bien MST. C'est beau, c'est envoyé. Ok, merci. Ah, c'est, je veux la changer cette putain de fréquence d'urgence. Hier, on s'est fait braquer, il n'y a rien qui a été fait. Et comme ils ont tourné avec mon camion, je sais plus c'est laquelle radio j'avais en fréquence d'urgence. Soit oui, la mais... secondaire, soit la fréquence d'urgence. Donc, ah, oui, mais c'est... en principe, on doit la changer. Oui, mais tu crois que c'est grave s'ils l'ont? Ah bah oui, imagine on toutes les entreprises du sud l'ont la fréquence d'urgence. Ah oui, mais si on s'en sert que pour les urgences. Oui, ça devrait être comme ça, mais d'autres entreprises hein, s'en servent juste pour... Eh bah tant pis pour eux. Pour signaler leur... Eh bah tant pis pour eux, c'est qu'ils auront compris. C'est eux les bikers là que tu me parles? Ouais, bah, parle. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être, je sais pas, mais. En tout cas, moi, je trace, hein. Bon, François, il reste bien derrière. Ah, c'est peut-être eux, hein. Je sais que. Il y a un groupe. Il y a un club dans le Nord. Ah, oui. Donc c'est peut-être eux, hein. Ah, il y a un groupe aussi qui est à... Comment ça s'appelle? Madame la maire m'a dit... La goutte à côté du lac. La de goutte. Des chars. Ouais, elle a appelé ça la goutte. Elle voit des drôles de trucs. Elle m'a dit qu'il y avait un dauphin, là, à la place de Grabsid. Ah ouais? Ah ouais? À côté du lac. Juste en dessous du lac, vers la gauche du lac. C'est B. Non, pas. C'est City, je sais plus quoi. Step City? Ouais, voilà, c'est ça. Ah, mais y'a quoi là? Un club de motards, elle m'a dit, madame la maire. Putain, mais y'a que ça, bordel! Y'a que des motards en noir. Il faut pas aller à la case d'avion aussi. Pourquoi? Pas choper de tétanos. Il y a un gros criminel aussi là-haut. Je sais pas ce que c'est que la case d'avion. De toute façon, je m'en fous, je suis pas aviateur. Et elle m'a dit une troisième zone, mais je sais pas où elle est. Hop là, tiens, on va être contents les paysans du Nord. Hop, on bloque la porte. Hop là. Bonjour.
Il y a plein de bureaux là. Mais c'est peu. Putain, j'ai oublié de prendre les sacs, bordel, putain. Hi there. Hi there. Hi there. Apportons-le. Hi there. Bon, c'est le tour pas les temps. Oui. Attends, je vais regarder un truc si on est dans le nord. C'est sur la route 68, il y a plein de distributeurs, ils sont tous vides à chaque fois. Oula, Arwick, Arwick Centre, elle vient d'être pas mal vidée là. Ah oui, bah ça va, il reste encore. Presque moitié. Ah, faut aller au distributeur Paletto Coiffeur. Y'a plus rien du tout dedans. Paletto Coiffeur, ouais. C'est derrière. Ah, puis la banque là, y'a un distributeur aussi, y'a rien dedans. Ouais. Ah, bah on va tous les faire. Ouais. Après, bon, on va commencer du début Paletto. Comme après, ça, y'a le distributeur du shérif aussi, y'a plus rien. Ouais, y'a partout, y'a plus on rien. Va commencer on va commencer du shérif. Et puis après, Sandy Shore et route 68. Faudra reprendre des sacs. On a de quoi faire là, hein, avec le tatoueur, le vendeur de masques, le coiffeur, oui. Les vêtements. Et après, on repart sur route 68. Merci beaucoup, Ayara. Merci énormément pour le 4e mois d'abonnement. Et oui, on a un. Yep. T'en prends 5 sur moi comme ça. Bah vas-y, tiens, bah, comme ça tu remplis. Il en faudrait que 2, je crois. Oui, c'est pareil, c'est comme les stations essence. Sauf que c'est les distributeurs. Après, je vous la montre pas en stream parce que. Deux, ouais. Parce que. Donc ça c'est bon. Ouais, il y a. Prends-en 5 sur toi, comme ça le prochain tu descends, tu rajoutes direct. Mais si on ramasse en même tonne, hein. Ah bah. Non, je crois qu'il y en a un distributeur avant, quand. C'est quoi, c'est. Ouais, il y a un distributeur avant. Ok. À l'hôpital. Ok. Après, ouais, je vous le montre pas en stream parce que par exemple, le magasin d'essence, tous les joueurs peuvent le voir. Mais les distributeurs, il y a que la MSC donc. Ah merde. Là. Envie de vous montrer quelque chose. Ah ben c'est là l'hôpital. Oh, y a plus la grue. Ah, je sais pas si on faut ici. Hein. Faut voir. Mais non, y a faut pas. Mais non, y a faut pas là. Ok. C'est quoi, je t'avais dit, c'est coiffeur. Coiffeur, il est à 0. Et la banque de Paletto, c'est le distributeur de la banque de Paletto. Ouais, ok. Le coiffeur, ouais, il est en face. En même temps, on va recharger. Ah, le magasin de masse. Le Spitz vient de prendre l'appel. Ouais. Ouais, je risque de prendre un coup de fil dans cette fois. Je vais remplir le distributeur. Ça, c'est sur le distributeur. Oui. Oui, t'es sûr, hein. Hop là. Ça, c'est un distributeur bien rempli.
be homeless. The recession. Hi, Mom. Good news, I'm pregnant again. Il est où? Oh, it'll be fine. The tax credit alone pays for the first 3 months of diapers. Et t'es où? Ils l'ont élevé ou quoi? Ah putain, tu m'as fait peur, je te voyais plus. Hiver. What up? Good news, I'm pregnant again. Rien compris. J'ai pas compris. Parce que bon. Ça veut dire prégnant. Y'a un petit souci. Ah merde. Ah merde, c'est vrai. Mais non, mais je savais pas. Mais non, mais félicitations. Je vais mourir tellement je rigole. Mais c'est pas drôle. Excuse-moi, je sais pas ce que c'est. Tu as fait le tatoueur, toi? Oui, c'est beau, je l'ai fait le tatoueur. Et le vendeur de masques? Le vendeur de masques aussi. Mais j'ai pas fait le coiffeur là. Ouais, bah de même, et on va faire la mini amélioration aussi en même temps. You. Hello. Il a R compris, je suis mort. Ah, t'es pas enceinte? Merde. Ça fait longtemps que je m'étais pas trompé là. Hey. C'est un PNJ qui a dit ça? Ah, c'est le PNJ qui a dit ça au téléphone. Mais on comprend rien quand vous parlez aussi là. Vous arrivez dans le chat, salut je suis enceinte, salut je suis prégnant, je suis trop content. Je me disais... On va aller à l'animalerie? Oui. En face là? En face là, oui, vas-y. Allez. Je sais pas si on peut y aller. Eh. T'as vu l'animalerie, y a une bonne sono là-haut hein. Ah oui, putain oui. Oui, c'est une boîte de nuit, le truc. Les chats, ils vont être sourds, hein. J'ai pas des animaux ici, hein. Ah, non, on peut pas. On peut pas, d'accord. Et foulerez-vous. Mais je sais pas ce que ça veut dire, prégnant. Merde. Après, c'est vrai que je me suis dit... Ça, c'est bizarre, elle vient sur le stream et elle dit « Putain, je suis prégnant again, tu vois. » C'est vrai que c'est bizarre. Bon, le prochain, c'est... C'est bizarre pour l'annoncer. C'est magasin de vêtements. Et le moment, à me prégnant. Ouais, c'est vrai, c'est... Oui. Mais non, arrête-toi à la Paléto, à la banque de Paléto, distributeur avant. Non, il y a un distributeur, là. Je sais pas si... Non, faut aller à la... Il y a que le distributeur de la banque de Paléto. Ok. Il y a des bons, alors. Je te fais confiance. C'est sur le côté là. Ouais. Et après c'est... Je vais le faire si tu veux. Ouais. Attends, j'ai pas de sac sur moi, bordel. Non mais c'est bon, je vois qu'on peut rien dire, de toute façon, je vois que ça juge beaucoup. C'est pas grave. Hop là. Moi j'étais content, j'allais adresser un message de félicitations, etc.
mais je me fais encore moquer, railler. Hey friend. Tant pis, hein. Il avait même remis la cam, mais oui, mais tellement. Pour fêter cette nouvelle, j'étais déjà prêt à aller chercher une bouteille de champagne. Hello friend. Ah, bah c'est pas grave. Hey friend. Allez, but de sac, pour moi. Je vais voir si... Envie de parler cohérent pour qu'il bégaye. Non mais... Non mais... Et j'en ai 12 sur moi là. Non, je dis n'importe quoi, j'en ai un sur moi, c'est tout. Ah, ok. Et le camion est plein. Ouais, ouais, je viens de voir. Je suis pas sur la pharmacie en face. Ah merde. Regardez vite fait le distributeur de la pharmacie en face. Merde, y'a ton mec aussi sur le chat. Merde, oh la boulette. Ça, ça peut aller vite, hein. Aïe aïe aïe. Non mais t'inquiète tonton whisky hein. Et 6. Et 6 aussi. Ouh bah. Allez hop. 4 sacs d'un coup. Et bim. Il est où? Oui. Merde. Il est où le con? Merci Mandarine. Et putain mais je te trouvais plus non plus. Les deux, il y en avait. Oui, bah, ouais, bah, c'est ça. Il t'en a mis un dans l'autre là. C'est ce que j'allais dire. Je cherchais celui-là. Donc là, Paletto, on est bon. Merci beaucoup, Mandarine. Sugar Mommy, donc, de tonton whisky. Là, on va faire Grapseed. Ouais. Alors, Grapseed, il y en a qu'un, je crois. Attends, je vais regarder. Grapseed. Ah, je le trouve plus, bordel, c'est nickel. Ouais, je pourrais pas te dire, là je veux pas trop regarder. Info banque. Il me semble que je. Bon bah, je le trouve plus celui-là. Bon, on le trouvera, t'inquiète pas. Mais après, c'est surtout celui. Enfin, après, il y en a. Un, route 11, superette. Alors celui-là, je sais pas lequel que c'est. L'autre, route 68, bah, magasin de vêtements. Un... Route 11, c'est celle-là, là. De quoi? On est sur la route 11, là. Ah bah peut-être celui-là à gauche, la superette, alors, peut-être. Ouais, bah oui, pour ça, là, on va y aller. Ouais, donc il y a peut-être celui-là. Et il y en a un dans la Seniora... Ah bah Seniora Freeway, superette aussi, c'est quoi? C'est celui-là ou pas? Ah, c'est pas sûr. Ah putain, je suis perdu, bah avec leur truc là. Ah, mais il y en a une plus bas. Ah, mais il y en a une deux. Ah, oui, oui, putain, attends. Non, mais regarde, il y a un autre distributeur là, je crois, non? Oh, oui, il y en a un là. Putain, c'est dur, hein. Ah, mais c'est cool d'être à plusieurs. Hein. Bah, si, celle-là elle est pleine, donc c'est pas celui-là. Putain. Le distributeur là. On essaiera de faire celui-là. Celui-là. Oh là là.
Tiens. T'en as combien? Celui était plein. J'en ai 6, je crois 6 ou 6. 6? Ouais. Attends, je vais rabaisser. Attends, donne-moi les uns un peu avant. Mais non, ça risque rien. Faut... Je peux prendre... t'en donner 7 maximum. Eh bah oui, bah c'est bon. C'est 7, 13, ouais. Ah oui, ouais. Ouais, désolé. La nouvelle fréquence d'urgence. Mais 9 ligues 2, putain. Waste of skin. Il a pas de gel, collègue? Non, parce qu'en fait, dans les magasins... Quand on fait les magasins, donc les supérettes, vous voyez, on entre dans le menu comme si on achetait et tout. Et les magasins, en fait, faut pas qu'on appuie sur E, faut appuyer sur Entrée pour prendre les sacs. Mais sauf que le réflexe, quand t'arrives dans les magasins de vêtements, les tatoueurs et tout, c'est d'appuyer sur E, quoi. Et du coup, ben, il a fait ça dans un magasin de vêtements, sûrement. Et du coup, ben, ça l'a. Du coup, il fait le patron, là, tu vois. Hé hey, au secours! Ah putain, j'étais parti. Je faisais le skater sur la barrière. Ah oui. Ouais, fais gaffe, hein. Bah oui, oui. Et du coup, tous les distributeurs à Sandy, à Grabside, à Sandy Shore, on peut tous les faire, je pense. Comme ça, on les trouvera, on saura lesquels que c'est. Ouais. On va faire demi-tour là-haut. Mets bien ta ceinture. Oui. Bah oui, t'inquiète pas, avec toi, je la loupe pas. Oh. J'ai une si salut tes copains. Comment? J'ai une si mauvaise conduite que ça. Si si, c'est bien. je fais pas trop de couche. Ah mais je suis à l'essai quand même, hein, je vais pas faire trop le con. Ah bah non, non, je suis à l'essai. Non, moi je suis qu'employé, hein, c'est pas moi qui donne les ordres. Hein. Ah oui, mais t'es au-dessus de moi quand même. Oui alors. Oui, y'a pas de ça avec moi. Hein. Oui, mais tu, mais je veux pas dire du mal. Vas-y, tu veux, hein. Je sais que j'ai une mauvaise conduite, hein. Ah, bah tu vois, c'est pas moi qui le dis, tiens. Mais t'en penses pas moins. Comment ça, hein. Comment t'en penses pas moins. Ah, bah oui, c'est vrai que la conduite est pas folle, hein. Après, bon, on n'est pas mort, hein, donc c'est bon, hein. Ouais. Jamais fait de combat en route, en véhicule. Ça va? Oui, c'est vrai. C'est les autres véhicules qui te mettent coma. Ouais, voilà. Ah bah oui, hein. Ça, regarde la vache. Bim, tu l'écrases. Ouais, non, c'est pas ça. Il y a le SPD de l'autre côté. Le LSPD. Le LSS. Oui, ça. Juste là dans la montée, regarde. Tu vois pas les sirènes? Oui, mais on n'a pas le droit d'y aller. Non, c'est pas ça, c'est tant qu'il y a une opération, on reste pas trop dans le coin. Non, tant qu'on va y aller au fond. Ah, d'accord. Donc, on va passer par un autre chemin pour aller à Grabside. D'accord, d'accord. De toute façon, qu'on se prenne pas un avion sur la gueule. Ah, c'est parce que si, comme ça, nous, je les ai vus de loin. Oui. Comme ça, peut-être s'il y a des braqueurs, ils nous ont pas vus, peut-être. Ou des criminels, ils nous ont pas vus. D'accord. Au cas où. Et oui, mais là tu. Après, d'accord, tu passes pas dans le convoi, mais tu viens quand même d'écraser une vache. Ouais, t'inquiète pas. Les vaches, ils aiment bien monter sur les toits au blé d'or. Mais là, elle est pas montée sur le toit, là, elle est passée sous le camion, là. Mais elle est en plein milieu de la route aussi. Oui, bah oui, oui, oui. Y'a pas de distributeur ici. Non. Et à quel blé d'or, ils ont quand même bien tenir leurs vaches. Lui, c'est de la faute du blé d'or, de toute façon c'est sacré con eux. Tu sais que l'autre jour le patron il nous a dit qu'il avait plein d'argent sale sur lui. Non. Tu sais quand on a fait un transfert. Si t'as de l'argent sale, tu vas au gouvernement ou voir les forces de l'ordre pour leur donner. Mais je sais pas, par moi il n'y avait pas de procédure, alors du coup on n'a rien fait. Non. J'ai jamais vu une procédure sur ça. Mais pour moi, si on doit aller l'emmener le patron ou... Il l'a peut-être emmené après, je sais pas. Hein. Bah, peut-être. Bah c'est moi qui l'a c'est moi qui a ramené le blé d'or à la dernière fois. Ah bah tu l'as ramené où du coup? Bah ici là. Ah tu l'as pas amené. Ah oui. Ah oui d'accord. Il m'a demandé au garage ici donc. Mais il avait encore une mallette sur lui? Je m'en souviens pas.
Mais ça me disait rien. Ouais. Mais pour moi, c'est... Moi, je vais demander où je dois l'emmener, parce que... Bah oui, 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 bah tu fais ton travail, toi, hein. Je savais pas qu'il y avait d'argent sale, moi. Mais non, il nous l'a dit dans la banque. Pacifique. Ah oui, parce que moi, j'étais de l'autre côté quand tu te... Bah t'inquiète pas, si une enquête, tu seras pas impliqué. Peut-être de complicité, vu que c'est toi qui l'as ramené. Bah non. Tiens, c'est toi qui viens de me le dire, qu'il avait des faux billets sur lui. Oui, 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 bah oui, oui. Allez, hop. Merci beaucoup, tes copains, pour les 200 bits. Merci beaucoup. Il en fallait... $200 à mettre dedans. Ah, ok. Mais non, mais t'en as remis quand même avant? Ouais, j'en ai mis un. Ok, et il y a peut-être la... Je crois qu'il y en a une juste à côté. Attends, j'ai 8-7. Bon, attends. T'as un combien, toi? Attends. J'en ai 7. Du moins, badane 6. Shit it! Ça, au cas où. Ah, merde. Ah. 5. Mais non. T'es sûr que t'en as que 7? Bah oui. Je peux pas te donner. Y'a un souci? Non, regarde, vérifie voir que t'en es bien que 7 quand même. Bah oui, c'est ce que. Ah, mais t'as plus de sac, putain, mec. Putain! Motherfucker! Oh là là! Bon bah moi je suis... Je suis plein comme une vache là. Bon alors attends, il y a un distributeur là-bas un peu plus loin. On y va en camion. Ouais. Il est au magasin de vêtements. Et après... Et après on redescend... Et après on ira à Sandy Shore. Je remets juste un peu d'essence. Oui oui, vas-y vas-y. Après Grubseed, on retourne au dépôt vite fait et après on va à Sandy Shore. Pourquoi tu retournes au dépôt? Bah pour récupérer un sac et ma tenue. Mais ça... Oui, mais il reste deux distributeurs à faire à Sandy Shore. Hein. Bah, je sais pas. Ah, il y en a que deux? Oui, oui. Ah, ok. Enfin, tu me diras Sandy Shore et puis il y en a deux autres sur la route 68. Je crois. Il y en a quatre en touche. Attends, il est où ce distributeur de merde là? Il est juste devant. Ah, il est là, oui. Il est plein celui-là, donc c'était pas celui-là. Alors. Ah bah c'est l'autre alors. C'est l'autre où t'as mis les. C'est celui d'un superette. T'en as mis d'un superette? Ouais, j'ai mis un sac. Ah oui, ok. Ah, il y a un sac. Et pourquoi ils sont plus soif? Tac tac tac, donc Grubseed c'est bon. Donc on tiens, fait je te mets directement, un point, tiens. Ouais, directement en fait, Sandy. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est Sandy Shore. Avec Sandy. Sandy Shore, et après, on redescend la route 68 et puis on va en ville, non? Ouais. Bah, tu veux qu'on fasse toute la route 68? Bah, à la rigueur, ouais. Et puis comme ça, au pire, on remplira la banque aussi, route 68. Ouais, il y en a à remettre un peu. Je crois pas beaucoup, mais bon, ça fera... On videra tout ce qu'on peut, tu vois. Ouais, bah oui. Ça, c'est bien, on ravitaille et on prend en même temps, comme ça, toujours, le camion est plein. Route 68, ah non, elle est pleine de chez pleine. Ah, ok. Désolé. T'as rien vu, hein? Ah non, j'ai rien dit en plus, t'as vu? T'es habitué avec moi maintenant? Tu voudras plus faire des tournées avec moi, c'est ça? Ah, si, non, t'inquiète pas. Hein. On est dans le camion, de toute façon, il est blindé le camion. Je peux taper dans n'importe quoi. Sauf les fenêtres. Oui.
T'as vu comment c'est rembourré à l'arrière? C'est bien protégé à l'arrière. À l'arrière dans le petit caisson? Ouais. Oui, oui, j'y étais l'autre jour. C'est plutôt pas mal. Alors, distributeur. Il y en a la supérette, là. Ok. Je vais les mettre. Hop là. Mais putain, mais c'est lesquels de distributeur? Bah ben c'est bon, ouais c'est bon. Mais oui, il est plein celui-là, alors ça doit être l'autre d'après là. Et il y en a une aussi, je sais pas laquelle que c'est là. C'est la grande seigneurette déserte. Okay, n'importe quoi ça. En plus de prendre des risques dans ce métier, on sait même pas où faut aller remplir, bordel. Et tu vas où là? Il y en a un... Ah oui, il y en a un là. Bah oui, il est caché. Ah oui, c'est vrai. Attends, il y en a que deux là, on est d'accord. Hein. Ouais. Il est où? Il est là. Il est là. Derrière l'ambulance, je crois. Oui, tiens, je le vois. Ah oui, ouais. Attends, j'y vais. J'ai un sac. C'est drôle d'avoir un bleu là, un vert. Eh ben ça doit être les futures ambulances du Nord, ça. Ah voilà, j'ai réussi à remplir. Voilà. Il y a encore un. Tu peux en mettre encore. Bah non, on peut pas en remettre. Ah bah. Non. Ça le met à fond. Il y a 2500 qui manquent. Je sais, mais ça marche pas. Moi, ça m'a bouffé un sac là. Ouais. Prochain. Ça m'a bouffé, oui. Et puis là, le prochain route 68. Tac, tac, tac. On passe devant le Ryan's. Tiens, après, on va côté animalerie. Bah tiens, je t'ai mis un point alors. Ouais, bah attends, je regardais le GPS. Ouais, vaut mieux faire comme ça là. La route comme GPS il dit. Comme ça, on finit sur la grande highway après. Sur l'autoroute? Ouais. On repart par l'autoroute? Non, remets le point où t'as mis. Oui, comme ça là. Merde, c'est quoi ça? T'as qu'à tirer? Oh la boulette, c'est moi putain. J'ai fait le C, le E, le V, le I et le T. Préviens le SCS que t'as tiré sans faire exprès. À 110 chars. Oh la boulette. Et le SCS. Ah oui, attends, je l'ai préviens tout de suite, bordel. Oui, préviens au LSCS que t'as tiré à 110 chars sans faire exprès. Qu'est-ce que tu fais dans la route, toi? C'est bon, t'as prévenu? Mais c'est bon, je me suis excusé, j'ai dit que c'était moi. Oh là là, bah oui, j'étais en train de regarder, de taper dans le GPS. Et puis tout d'un coup, bim! C'est buteur dans. Non, y'en a pas là. Ok. Bah par contre, c'est la première fois que ça m'arrive de tirer en. De tirer là, hein. J'ai même pas encore tiré, moi, il y a encore toutes mes armes. Oh putain. Du coup, on n'a pas pu faire l'analyse. Là, on, là, on a fait le C, vite le. Parce que du coup, j'ai fait la liaison, les S, tout ça. Du coup, on n'a pas fait le A. Alors, distributeur, bah tiens, on va faire la banque. Oui. En même temps. Oh, je suis encore tout retourné dans une pipe.
Et celui-là il est plein, et celui-là il est plein. Et ben allez. Ben, comme ça tout est plein. Bonjour, bonjour. Je sais pas où ils sont cachés, les distributeurs qui ont besoin de thunes. Des gens qui les ont chez eux, ça je pense. Pas possible autrement. Criminal scum! Et où? Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture noire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est arrêtée et elle attendait. Et après... Ah merde. Et après elle est partie là. Mais t'inquiète, j'étais sur mes gardes. Je surveillais ce que quand ouais. Tant que tu remplissais. Donc t'inquiète pas. Le prochain distributeur, il y en a. Attends, il y a animalerie et en face animalerie. Attends, je regarde. Animalerie, il y a pas besoin, mais il y a la, il y a besoin de magasin de vêtements. Magasin de vêtements. Oui. Non, ce, ah oui, si, c'est ça, c'est celui-là, route 68. Là, il n'y a pas de distributeur là. Je comprends pas. Magasin de vêtements, route 68. Ah, il y en a un plus loin. Oui. Non, mais c'est la supérette là. Pourquoi ils ont pas. Plus loin. Attends, essaye la supérette. Regarde la supérette là, peut-être. Ah, ouais. Attends, on nous suit. Va pas le faucher, va pas le faucher. Non, non. Ah, oui, tout au bout là-bas. Ouais. Désolé, mais la... celle-là je la faisais pas. Il y a oui, oui, non, mais qui oui. A fait demi-tour en même temps. Oui, oui. En route 11, c'est laquelle route 11? Route 11. Et moi je cherche la route 11 depuis tout à l'heure, là je vois pas où c'est. Hein. Mais on l'a fait! On l'a fait la route 11! C'est laquelle? C'est l'autoroute qui on peut aller, où on peut aller jusqu'à 160. C'est celle avec le garage public. Ouais, c'est ça. Sur ma carte, c'est marqué la Great Ocean Highway. Bah moi Ah non. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe, merde? Attends, faussez le camion, bordel. Hey. Oh putain, je vais sortir de là, ça a pété là, tu vois. Qu'est-ce qui se passe encore, nos bip? Faut que je pousse ou quoi là? Oh putain! Envoie la position MST Black. MST Black à OLSS. J'appelle le Ryan's. C'est bon, vite, faut se mettre en sécurité, faut faire quoi là? Parce qu'on a un camion qui est super chargé là. Hein. Oui, oui. Sur le côté, non, viens dans la petite caisse du camion, dans la petite caisse du camion, marche, on risque rien, je pense. J'appelle Oriens. Ah, moi je monte là, hein. Vas-y. Monte dedans. Monte dedans, on va se faire attaquer, Jordan. Bah si, bah moi je serai en sécurité dans ma petite caisse. Bah toi reste dedans caché. Oh. Oh, sacré Jordan. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti en périsse.
Ah, je suis mort, putain. Qu'est-ce que ça veut dire, MST Black? Mais on est en grand danger. Camion immobilisé. Voilà, c'est bien. Par contre, fais gaffe à toi quand même. Parce que si le SS arrive, ils vont te fusiller là, non? Non, non, t'inquiète. Mais t'es habillé comme comme un mec qui sort en boîte de nuit là. Encore et moi quand je vais en bas dans la salle des fêtes le dimanche. Et... il a été pris l'appel? Ben je sais même pas. Regarde sur ton téléphone s'il a été pris. Ben je peux pas savoir. Si? Si, tu vas dans les notifications dans ton téléphone. Savoir s'il a été pris. Mais ça, le mec il va m'apprendre un truc lui encore. C'est où ça? D'abord. Tu vois à côté de ton GPS, il y a des infos, des notifications. Et ça te dit si t'as reçu un, si ton appel a été pris. Ah oui, je suis à moins 320$ sur mon compte. J'ai fait 48 au snack hier. Tiens, je vais me prendre en photo en Snapchat, mais je vois pas de quoi tu me parles là. Mon GPS. Hein? Ah, mon GPS, ouais? Et là, tu vas dans les infos de, des notifications. Hein? Hein? Oh, bah, je sais pas moi. Bon, mon appel a été pris. Pour l'Ariane. Bah, moi, peut-être. Allez, je... allez, ils arrivent, ils arrivent. Lève les mains, ils vont te tirer dessus. Et ils vont te... Oh putain, j'aurais dû me mettre derrière et le viser. C'est bon, c'est juste. Et une voiture noire qui est arrivée, qui nous suivait un moment. Donc j'ai prévenu prévenir direct. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour messieurs, qu'est-ce que tu viens de raconter, Jordan? Bonjour. Bah, ce qui s'est passé, je me suis bloqué. Ah, que t'as bloqué le camion, ce oui. Ce qui s'est passé, et que tout à l'heure à la banque de Sandy. Bonjour. Ah oui, t'as bloqué. Voiture, bonjour. Et une moto qui ont fait demi-tour. Ils ont fait juste demi-tour, et après ils nous ont doublé, mais après. Ils sont arrêtés, ils sont repartis aussitôt. Non, 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 non. C'est moi qui ai tiré tout à l'heure. Vous avez eu mon message, non? Non. Ah bon, bah, c'est, bah ça sert d'envoyer des messages, tiens. S'il vous plaît. Non, mais le message MST Black, c'est où? Ah oui, oui, celui-là, oui. Mais oui, avant. Oui, c'est celui qu'on a reçu, c'est pour ça qu'on est venu là de suite avec les armes, quoi. Ah oui, oui. Ah non, mais un autre. Un autre que j'ai tiré un peu plus tôt de. Un quart d'heure. Ouais, c'est qu'à ce moment-là, on était. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est pas grave. Ah, mais moi, j'étais sur mon GPS et puis ils avaient pas, 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 pas. Oui, y'a pas de soucis. Ok, pas de blessé, y'a pas de soucis. Oui. Mais il va où le camion là? Bah là, il va juste le déplacer un petit peu pour qu'il soit plus mobilisé. Ah oui. Pour qu'il ait blessé. Parce qu'il y a des millions dedans. Hein. Ah bah ouais. Pourquoi vous gardez la main sur votre holster? Là au cas où. On vous apprend pas ça quand vous passez le PPA? Non, on m'apprend le C-Vital. Et là, le C de Cévital est bien respecté. Oui, je viens. Parce que je ne vise pas ce que je ne vais pas détruire. Non, c'est honte, mais. Vous allez dire quoi? J'aimerais bien une réparation, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Ouais, je vais faire ça. Bon, restez-moi le temps que vous puissiez repartir. Ok. T'as bien expliqué, Jordan, que c'est toi qui as bien coincé le camion, hein. Oui, 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 c'est moi qui ai coincé le camion, je sais. Oh, ça arrive. Oui, c'est des choses qui arrivent. Mais je pensais pas qu'il... Oui. Je pensais qu'il passait en dessous du... Ah, mais oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de place sur le parking, là, pour se garer, il fallait se garer en dessous le panneau, là.
lui qui a acheté dans son froc là. Ah ouais, ça se passe bien sinon à part. Oh bah moi nickel. Bah, oui. Moi nickel. Moi hier. C'est moi hier qui s'est fait braquer juste avant le vote saisie. J'ai pas le temps de lire tous les rapports, j'avoue. Ça pète bordel. Donc sûrement. Peut-être que mon collègue est au courant, mais j'ai pas le temps de tout lire encore. D'accord. Et monsieur qui s'est fait braquer. Waouh. Braquer ou quoi quoi. Juste avant le saisie oui. Hier soir. Oui, je comprends. Ouais, bah c'est moi. Ah, c'est moi. Oui. Désolé pour vous. Oh. Ah, merci. Lui, c'est compliqué. Bah, merci. Il y a un contrat avec vous ou il faut payer? Je sais pas si on a un contrat avec vous, Lorient. Je sais pas, j'en ai rien. Je vais demander à Israël, lui, ça va bien. Oh, ouais, justement, il m'a compris. Allô? Non. Dis, t'as un contrat avec la MS2 quoi. Ouais, dis donc, tous les avions de chasse qui passent à côté, hein. Ah, ouais, ils font leurs entraînements. T'es en charge ? Ok. Ah, merci pour tout, hein. Oh, regardez celui qui arrive là, juste au-dessus de nous là. C'est la. Il prépare. Regardez là. Il y a la base militaire qui est juste à côté, mais il vaudrait mieux éviter de rester parce que des fois ils s'écrasent un peu. Ouais, des fois ils ont du mal pendant leur looping. Ouais, on y va, oui. Ils ont pas de taper avec là. Oui, au revoir, oui. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Oh, il y en a encore, putain, il y a que ça. Ouais, le véhicule est tout neuf. Bah oui, après avoir appelé tout le Nord pour venir nous sauver la vie. C'est les procédures. Et j'ai rempoté le... De quoi ? Ah, t'as fait le distributeur, oui. Ouais. Et du coup, on fait demi-tour là ou pas ? On va passer par... Tu peux refaire une actualisation de l'infobanque ? Oui. Voir si ce qui se passe en bas. Eh ben rien de nouveau. On peut en remettre à... Okay. Flicka au Wix Centre, celle de tout à l'heure, et puis on peut en remettre à 100 000 balles à Wizard News. Bon, on va faire ça à Wizard News et à Wix Centre. Et puis il n'y a plus de sous dans le distributeur du Paradise et à Mirror Park. Mirror Park, on n'y va pas. Ah bon? On y va la supérette, non? Si c'est dans la supérette, oui, mais... Ah non, c'est pas la supérette. Ah oui, non, c'est pas la supérette, c'est Mirror Park, Boulevard Est. Ouais, bah... Si tu veux y aller, vas-y, hein, mais pas moi. Pourquoi c'est dans une petite tache rouge? Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Tu veux conduire un peu? Oh non, tu conduis bien, Jordan, vas-y. Hein. Non, je sais que je conduis mal, tu veux essayer de conduire? Ah non, t'inquiète, vas-y. T'as peur, c'est ça? Ah non, j'ai pas peur, mais c'est que si je fais une merde, tu vas me le reprocher après, tu vois. Tu peux changer la fréquence d'urgence, s'il te plaît? Ah, ça a changé sur, du dans coup le camion? Ouais, ils l'ont changé. 361.7. C'est beau. Le distributeur ici, il doit être bon là. Ah non. Non, oui, faut le faire. Je voulais pas parce que c'est... Alors je sais pas si c'est celui-là ou si c'est celui de la supérette. Mais qui est con lui? Que tu fais, je vais conduire peut-être après, oui.
Hop là, j'y vais. Hop là. C'est beau, je l'ai bien rempli. Oui. Ah oui, c'est vrai, je conduis. On va où, chef? Bah, on suit la route. Les prochains distributeurs, c'est où? Superette, Great, bam. Et la voiture noire, là, tu l'as vue, là? Laquelle? Derrière nous, elle est arrêtée. Je sais pas trop quoi. Hein, j'ai pas vu, désolé. Celle-là, elle est bonne. On fait la flic à Weasel News, là, on est du bon côté. Ouais, c'est ça. Et après, on ira peut-être te changer. Ouais. Là. Et après, si je m'en rappelle bien, A8 Centre, il est où? A8 Centre. Ah bah, A8 Centre, c'est juste celle d'après. Ah bon, ah bah, on ira après alors. On fait les deux d'un coup et après on retourne dépôt. Oui. Et le Paradise, on peut pas trop le faire pour l'instant. Bah, il y a un distributeur. Le Paradise, il faut attendre qu'il soit ouvert. Ah merde, il est fermé là ? Je crois que tout à l'heure, j'ai vu qu'il était fermé. De toute façon, on passe devant là ou pas ? C'est plus bas là. On va passer devant, voir s'il y a du monde quand même au cas où, non ? Ouais, après, tu feras demi-tour sur. Oui. Là, il y a une bonne vue vitrée, on peut voir. Là. Il y a personne dans le bout. Ah, si, ouais. Ah non, c'est des tireuses à bière. Non, attends. Il y a personne. Et attends, regarde, comme ça, je remonte et puis on va voir si on est suivi ou pas. Ah, mais non, on n'est pas suivi du coup. Hop là. Hi there. Hop. Y'a combien là? On peut en mettre encore un peu. Hi there. On va en prendre 5, 10. Je pense que c'est. J'en prends pas ouais, que plus. Il reste 2 à mettre, je pense. T'imagines, Jordan? Le camion qui vient de passer, ouais, il gagne le même salaire que nous. Et lui, il balance dans le burger. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais donc? Encore là? Il m'en restait 1 à mettre. Ah. Ah, c'est toi conducteur, c'est toi qui gère la... Bah oui, bah oui. Mais il donc était fermé, là, je l'avais pas fermé.
Et là on va à la prochaine Pacifique. Salut Nox. Comment tu vas? Oh putain, tiens, ça balle pas trop, il se prend 35 balles d'amende, tiens, alors rien à foutre. Moi je suis payé 120 un quart d'heure. Hein? Et pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de tournées la semaine dernière. Eh ben. T'as pris des sacs? Bah oui. Hi there. Hi there. Hi there. On est bien. 120 dollars du quart d'heure, il se fait pas chier, Jordan, hein? Mais t'as fait combien de tournées là de sac pour avoir 120 dollars du quart d'heure, toi? 1200. Ah oui, putain. Et que 120! Bah tiens, forum des métiers est organisé devant la mairie. Tiens. Hi there. Hop là, c'est bon. Et la banque est pleine. Je vais y aller au forum des métiers pour dire que je risque ma vie pour 50 dollars. Bah il y aura les patrons. Ah oui, donc bah j'irai pas. Mon retour dépôt. On a fait une grande tournée là quand même. Bah oui, mais tu crois qu'on a fait beaucoup de sacs quand même? On verra bien si ça sort. Mais c'était là, hein, pour le dépôt. Ah putain, je croyais que c'était celle d'après. Salut Nariel, namasté. Oui, c'est pour ça que je dis ça, Mouvenor. Tant que je vais me changer, tu pourras remettre de l'essence? Oui. Jackson. C'est pour ça, parce qu'en vrai, c'est pas logique. Parce que ce que je dis en RP, c'est vrai. Hein. Que le mec qui travaille à CDC, il est payé 50$ et tu vois, bah, un mec comme moi, tu vois, on est payé 50$. C'est pas logique en vrai. Un seul Nariel pour l'instant. Tu vois, un chauffeur de taxi, pareil, il gagne 50$ minimum, tu vois. Mais en vrai, c'est pour ça que je dis pour me faire kidnapper, j'ai pas envie de gagner 50$.
En vrai, Tosma, il y a le salaire de base. Et je suis pas sûr, mais je crois qu'ils ont quand même 2-3 primes. Hein. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure en RP, tes copains, c'est que les otages, tout le monde, ça peut tomber sur tout le monde, tu vois. Tu devrais être mieux payé pour éviter d'avoir envie de voler l'argent ou de quitter le boulot. Oui. Mais comme m'a dit le premier jour le mec de la de la mairie, en fait. Et Speedy, 81$. $2600. Ah oui, donc c'est plus que le SMIC quand même. Ah, bonsoir, je voudrais savoir si vous pouvez recruter... Il n'y a aucun responsable pour l'instant, donc on va laisser ça. Au responsable. Tu lui réponds quand même, non? Ouais, je vais lui répondre, je vais dire qu'on recrute, mais aucun... Hop. On l'appelle. Répondre. Bonjour. Tiens, on va aller vers Bessity, là, tu sais quoi, là, non? Ouais. Il n'y a pas été tout à l'heure. Non mais oui, non mais attention, quand je parle de, quand je dis le SMIC, c'est dans la vraie vie. Hein. Y a pas de, faut pas comparer le salaire sur le serveur et le serveur dans la vraie vie. Et pour moi, ce serait logique. Que le convoyeur de fond gagne plus de thunes qu'un chauffeur de taxi ou un éboueur ou un travailleur de chair, quoi. On va se faire celle-là là, à gauche là, puis après on va faire tout Bessity. Hop là. What is wrong with you? You animal! Et après, attention à ce que je dis. Hein. À ce que je dis là, j'en ai strictement rien à branler de gagner $50 en vrai du quart d'heure ou pas. Enfin, je préfère. je préfère le dire. Hein. Ah putain, mais oui, mais. Putain, faut que je refasse la procédure Freddy comme hier. Le gars dit, je crois avoir compris. Merci. Je saurez-vous me dire quand ils seront là? Les responsables, bah non. Moi je sais pas. Tu peux lui dire que tu sais pas. Tu peux lui répondre, le pauvre, il cherche du travail. Bah oui, c'est ce que je lui ai répondu. Ah oui, je sais pas.
Je lui réponds, moi, qu'il aille dans une autre boîte gagner de sa vie, tu vas voir. Pour pas se faire kidnapper en plus. Hop là, si sec. Parce que gagner 100$, 150$ ou. Ou 50$, enfin ça change rien, je m'en fous. Le vendeur de match, je sais plus si on peut y aller ou pas. Si, on peut y aller. Et tu te rappelles pas? T'as voulu le changer. Ah oui, c'est vrai. Il t'a piqué tes vêtements là-dedans. Ah oui, fois. C'est vrai, hier, avant-hier, oui. Hop là. Si ça change, je t'en passe au casino. C'est vrai. Hop là. Ensuite, on va aller au tatoueur. Moi vers 17h je fais une petite pause. D'accord. Je me laisse encore une petite heure. Bah, moi je pense qu'après la tournée là j'arrêterai. Ok. Moi ouais, je pense que je vais faire la même. Hein. Il faut que j'aille vadrouiller en ville. J'aille vadrouiller en ville. Ok. Tu peux hein, t'es pas. C'est pas la minute ici, hein. C'est pas comme à LSPD ou à LSS. Bah oui, hey, t'es obligé d'être ici. Bah oui, t'inquiète pas, oui. Ah, c'est LSPD ou LSS. Tu travailles, t'es directement en service, c'est obligé. Oui, mais eux ils gagnent pas de 50 balles. Et ils sont pas kidnappés. T'es sûr? Bah écoute, oui, attends, ça fait 3 jours que je suis là, 3 jours à chaque fois on se fait attaquer, au bout d'un moment. Tu leur demanderas? Oui, je vais leur téléphoner, oui. S'ils se sont déjà fait braquer ou des trucs comme ça, eux? Oui, je vais leur demander. Ou combien de fois par jour ils se sont tirés dessus aussi? Je vais leur demander. Attends, on a fait le coiffeur. On a fait tout ça, oui. Coiffeur, masque, et après. Ah, il y a un distributeur tout au fond de Bay City là. Tu veux qu'on aille voir? Ah, bah oui, on peut aller faire un tour, oui. Et. Ouais, mais ça, c'est un distributeur, à mon avis, il est plein. Le paradise est vide. Après, il faudra aller au Rapid Taxi. Là, toutes les banques, c'est bon là? Les banques, hop. Ouais. On est mercredi, les gens sont pas très dépensiers. Non, c'est ce soir. Là, je te laisse aller voir. Ouais. Prends des sacs au cas où. Il s'est fait braquer aujourd'hui. Ah oui, Giffman, on s'est fait braquer par un panneau. Un panneau vêtements. On a dû faire un appel MST Black et tout, là. Mais non, il y a une star, il y a un moment dans le chat. Le panneau vêtements a immobilisé le camion. On faisait pas les fiers, hein. Un sac. Oh bah c'est bien rempli. On va aller. Tiens, attends. Au magasin de vêtements? Ouais, le magasin de vêtements, là, il y a deux trucs en plus. Ouais. Et après, si on a plus de distributeur ou quoi, on peut les mettre directement au dépôt. Ah oui, j'ai vu ça. Il y a Clinton Avenue, le distributeur.
Oui, c'est vous, on est convoyeur de fond. Ah, on parle de ma conduite, hein? Eh, mais moi j'avais prévenu avant. Et Jordan, je sais que je suis à l'essai, que je peux pas trop me permettre, mais. Je suis pas bloqué sous un panneau vêtements. Hein. Alors, ne fais pas comme ça. Luc. En procédure, tu dois être toujours prêt à repartir. Comme ça. Ouais, voilà. Il y a vraiment un distributeur là-bas, il est plein. Bonjour messieurs, dames et les convoyeurs de fond. Hello friend. Hello my friend. Hey friend. Allez hop. Neuf sacs dedans. Oh putain. Regarde comme ils sont tranquilles. Ah putain, j'en ai marre. Procédure Freddy, faut que je la remette en place celle-là. C'est quoi la procédure Freddy? Ouais, c'est une procédure à moi quand je suis tout seul, t'inquiète. Vas-y, dis. Ah non, mais je peut-être t'en. Que j'adopte rien. Non, mais c'est peut-être mes petits secrets de convoyeur de fond quand même. Regarde, oh, regarde comme ils sont heureux là. T'as vu? Le cul dans la bagnole, et vas-y que je tourne et que je retourne. Et le camion est plat. Ok. Et j'ai deux sacs sur moi. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire celle de Little Seoul là. Super. Little Seoul. Ouais. Ah putain, j'ai oublié de prendre à boire au dépôt. Tu t'as ça? Une petite, oui. Ah. Merci. Personne derrière la porte. Là. You animal. Bonjour Ginette. J'ai 6 moi. Et plaît 5. Oh il pleut. Oh, il pleut putain, j'ai pas mon parka bordel. Tu l'as laissé au vestiaire? Eh oui. Du coup, faut remplir où là? Alors, il y a Eclipse Boulevard Est. Le distributeur. Il y a tous les distributeurs de la Pacifique, je crois aussi. Group Street, ça c'est 0. Normal. Pourquoi? Rosset, on n'y va pas. C'est tache rouge. La petite tache rouge. Donc attends là, tu veux que j'aille où là? La maison Arena. Ouais. Là je vais où, la Pacifique ou pas? Les distributeurs, donc ouais, on va faire distributeur de Pacifique. Et on va faire celle de Clinton en même temps. Ok. Clinton Alta. Oh, c'est celle du dessus là. Comme ça. Non. Ah, un distributeur. Bah non. Ouais, il y en avait un au-dessus, mais je sais pas si. Ah, je connais pas tous les noms de rue, moi. Les distributeurs, c'est dur. Hein. Et moi, je suis. Ouais. Ouais, je. On remonte je... là. Ouais. Ouais. Ah, mon appel vient d'être pris, je sais pas quoi là. Ah ouais.
Hop là. Mais ce banque Arena, c'est pas le truc où on peut aller voter là-haut? Ouais, je sais pas, j'ai jamais voté moi ici. Quel temps de merde. Mais oui. Bah 20 000. Ça doit être ceux au fond. Mais il pleut beaucoup trop à Los Santos en fait. C'est insupportable. Mais non mais... Je croyais qu'il y en avait à la Pacifique, non? Ouais mais je crois que je me suis trompé. Et moi il me semblait en avoir vu tout à l'heure aussi. Attends, y a que ces deux-là, la Pacifique, on est d'accord, non? Oh, ouais. Et non, il y en a juste à côté. Là, il y a derrière la séparette, je pense. On va les voir. Ah, mais attends, il y en a un là aussi. Putain, c'est peut-être ouais. Ça, là. Tout droit, là. Ouais, ouais, j'ai... Juste là, là, ouais. Je te laisse aller voir. Oh, mais... Attention. Ah oui, celui-là, il en fallait. C'est bon, on est mis deux. Et après, Superette Clinton. Là, ouais, c'est ça, t'avances et tu tournes directement à droite là. Oui. L'avenue du patron. Et putain, et tu vois que la place centrale là, ça va s'appeler bientôt la place Clinton. Ah, tiens, là, peut-être y'en a un là. Ah, ouais, c'est sûr. Vas-y, va voir. Je vais me regarder. C'est bon, il est rempli. Nickel. Y a un distributeur dans la supérette ou pas? Je crois pas dans celle-là. Si, y en a un. Attends, je vais me garer. Vas-y. Tu veux le faire? Oui, je vais y aller, oui. Attends, j'en ai sur moi ou pas? Ouais, si j'en ai 5. Il est plein. Il est plein. Donc là il y a Eclipse Boulevard. Taxi non, ouais. Y a pas un truc au taxi? Si. C'est celui du taxi. Celui du casino peut-être aussi non? C'est bon. Alors le casino, il est où? C'est Diamond, c'est ça hein? Ouais. Le nom hein. Ouais. Ils ont des. Non, Diamond Casino, c'est bon, il est plein. Ok, bah y'a personne qui joue, dis-le. Ouais, il est tôt encore. Vas-y, non, vas-y, avance. Il est où, là, tu tournes. Et dans les taxis. Et tu rentres. Ah, ok. Ouais, il est dedans. Ah, bah, c'est pratique, ça, dis donc, ils ont de la chance, eux. J'ai avec toi ou pas? Ah, bah, attends, ouais, je vais remplir, j'ai 5 sur moi. Comme ça, tu vas voir. Oui. La procédure Freddy. Oui, il est là. Hop là. Ah il est juste là, t'as vu hein? Oui. Voilà. Alors eux ils gagnent le même salaire que moi et en plus je viens leur refaire des trucs.
Tu sais, dans d'autres entreprises aussi, c'est pareil, hein. Il faut travailler beaucoup pour avoir un bon salaire. Hein. Oui, mais moi, la place de... Quand j'appelle un taxi, je le paye. Non, t'es pas obligé de les payer. Ah bon? Ah non, faut pas les payer, hein. Ah bon? On a... La MSA a un contrat avec le... Non, mais les taxis. Non, mais on me dit rien, moi. T'as pourquoi il y a de l'orage maintenant? Putain, on va prendre la foudre dans notre camion, là. Un gros truc, ça fait cache de Faraday, ça, non? Oh bah oui. On dit Macron. Du... Il y a un distributeur là, peut-être. Et où ça, là, à gauche, là? Ouais. Vas-y. Fais demi-tour, j'arrive. Vas-y. Allez! Ceinture de merde! Et là, il y a encore une... Tain! Oh putain, j'ai eu peur. Amine? Dans le chat, monsieur. Non, Ariel, c'est juste que vu que l'été est terminé, ils remettent la météo. En fait, la météo, elle est suivant les saisons. Donc, du coup, vu que là on arrive en automne, il pleut, y a l'orage, bah ouais, c'est la saison. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Alors, attends. Tu m'as parlé. Place Wolf, on peut en mettre un peu encore. Ok. Et il manque presque 90 000, il manque. D'accord. Et t'avais... T'as pas parlé de la messe banque ou je sais pas quoi là? Ouais, la messe banque à Irana. Ouais. C'est en bas. Ah tiens, le sto. Et... Ouais, on peut faire le sto aussi. Hein. Ouais, il y a un truc à le sto. Mais je sais pas si... J'ai pas regardé si c'était à faire. Eh ben, on va aller voir ça. Je vais faire le petit magasin en même temps. Bonjour. Et bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Rien du tout, on est les convoyeurs de fonds, on vient travailler mon petit monsieur. D'accord, allez-y, je vous en prie. Oui, on va faire le nécessaire. Plaisir. Hop là. Ça, monsieur, oui. C'est calme. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bah, merci, oui. Oui, si, bah, attendez, j'attends mon collègue avant de partir. Je n'ai pas foutu comme ça quand même. Jamais ce mot-là. Oh, lequel? Jamais. Lequel? Le mot que vous avez dit avant. Lequel? A-L-M-E. Jamais. Ah, jamais? Jamais. Ah, bah, d'accord. Bah, je veux dire. Quel mot? Je dirais plus beaucoup, d'accord. C A L M E, jamais ne faudra le dire ici. Ouais. D'accord. Faut pas beaucoup le dire du coup. Non, pas du tout. Ah, okay, d'accord. Oui. Du tout. Ouais. Ok, d'accord. Bon bah bon courage, monsieur. Et puis bonne après-midi. Bon courage à vous. À bientôt. Bonne journée. Enfin. Et que tout reste calme. Pourquoi faut jamais dire jamais ici? Non, il faut pas dire calme. Ah bon? Ah, c'est calme? C'est quoi? Mais pourquoi il disait faut jamais dire jamais? Mais il fait les plémous. Les plémous, il disait que. Il disait lettre par lettre. Parce qu'il voulait pas le dire. C'est interdit de le dire ici. Il disait faut jamais. Faut jamais dire, faut jamais. Mais je sais pas, c'est bizarre. Ah, tu crois que les petits distributeurs regardent là? Ouais, bah oui, hein. Ça regarde. Bah, c'est sur cette route là que je me suis fait faucher par les flics. Ah oui? Ah bah, toujours. Et puis les flics en plus ils te fauchent. Et toi t'as 50 balles du quart d'heure. Et eux le cul dans leur bagnole et vas-y donc que je gagne des millions. Ah. Ouais, mais ils ont pas de temps libre. Oui, c'est vrai, oui.
C'est vrai, toi t'aimes bien aller au bord te bourrer la gueule. Non. Mais... Alors là, non. Attends, eh. En tout cas, je l'ai bien vu ta petite combine hier d'arrêt de travail là. Hein. Ouais. T'aurais bien voulu pas avoir le genou explosé, hein. Bon, allez, bon, quelle banque il faut remplir là ? En face, il y en a encore un ? Ah oui, là-bas. Tac-tac-tac, Place Wolf, je crois. Hein. Ouais, il reste 90 000 à mettre à Place Wolf. Donc c'est derrière. Ok, mais attends, le distributeur il est au-dessus là, on est d'accord, non ? Ouais, ouais, il est au-dessus. Ouais. Place Wolf, c'est où ? On vient de passer devant. Ah oui, c'est là-bas. Ah bah attends, je suis nouveau, moi je connais pas. Hein. T'inquiète. Et donc il y a un gros loup là au milieu de la place, c'est pour ça que ça s'appelle Place Vol. Non, c'est parce qu'il y a un ancien gouverneur qui s'est fait assassiner. Oui, oui, tu... ah, oui, oui, c'est vrai. C'est ce qu'ils ont dit au quiz hier. Hop là. Eh ben rebonjour. Ah bah rebonjour. Bon bah donnez l'idée de passer à la banque. Pourquoi donc? Ah Kinou, vous a donné l'idée? Ah oui, vous m'avez donné l'idée. Ah bah oui. Pourquoi? Pour poser, pour épargner? Ah bah oui, exactement. Bah vous avez bien raison. En plus il y a un taux intéressant là. Il y a un 0,05% là sur votre livret là, ça vaut le coup. Hi there. Encore remettre. Ah non putain, ça va être plein en fait. Comment? Mais j'ai mis. Je croyais que t'en avais pris. Hi there. Hop, c'est beau. C'est bon. Il y a le distributeur là sur le côté. Et salut. Putain. Oui. C'est bon. Hop là. Comme sur ton GPS, tout à l'heure, tu disais que t'avais une onde rue, toi. Oui. Sur ton GPS. Oui. Tu peux chercher Eclipse Boulevard. Oh tiens, je l'ai trouvé du premier coup. C'est au-dessus. Il faut aller là-haut, Eclipse Boulevard Est. Est et pour... l'est. Bon. L'est de Eclipse Boulevard. On les a déjà fait les distributeurs là. Bah là, y en a un qui. Ah. Attends, il y en a peut-être un qu'on a pas fait. De un ou deux. Ouais. Il y en a peut-être un qu'on n'a pas fait. Oui. Oh dis donc, j'ai vraiment de la chance hein. J'ai ouvert la carte, j'ai trouvé la rue du premier coup. On aurait pu rester des heures bloqué avec la carte. Ah bah ça. Ah, il y a le distributeur de Vision News à faire. Ah. Après il y a le distributeur de Vespucci Boulevard. Ah. Après la Seniora, là c'est loin la Seniora. Eh ben c'est celle qu'on a. Mais c'est. Alors je veux pas t'embêter, hein, Jordan. Mais Routons pour moi c'est pas au-dessus. Hein. Et j'ai cherché mais j'arrive pas à trouver où c'est. Mais pour non, moi. Non, c'est plus bas. C'est tu vois le. Le parking public à l'est de la ville. Tout à l'est, t'as un parking privé, parking public, oui. Privé. Oui. Et bah juste au-dessus, il y a une station service avec deux distributeurs à l'intérieur. D'accord. Ah oui, ok, d'accord. Je crois que c'est là-haut. Celui-là, on l'a pas fait, donc à mon avis, il y a moyen que ce soit là.
Il est où? Ah oui, il est là. Okay. Allez voir. Xerac, je sais plus si j'ai dit qu'il y avait une star encore. Ouais, j'étais sûr. Ok, et donc là, Weather News du coup. Ouais, Weather News. Ah non. Ah si, c'était sûr, c'était bien sûr. Attends, je vais par là, mais c'est bien par là, Weather News. Ouais, ouais, c'est par là. Je te le mets sur la carte. Ah ouais, je vais bien, je sais pas où c'est exactement. Et non, il y a une star. Xerac en fait dans le chat. Attends, vu qu'on l'a pas dit, on met la musique et tout, dans ce débras. Tu pourras regarder Low Power Street sur ton GPS? Ouais mais faut encore que j'ai de la chance de le trouver directement, ça. Ah bah ouais. Enfin, ça, on va déjà à Weasel déjà. Et pendant que tu vas à Weasel, faut que j'aille chercher. Ok. Là, il y a un distributeur juste là, juste à côté là. Oh, tiens, celui-là, là, tiens, regarde voir. Hier, j'ai amené une petite dame retirer des sous pour des bijoux ici. Oh. Oh. La pire danse, c'était si mou. Hein? Ah. Comment ça, c'était mou? Il met mou un sac. Quel c'était monde pas celui-là de ce Weasel. D'accord. Et Ruru qui valide leur niveau 1 de surf. Ah putain, on peut apprendre à faire du surf. Weasel News, Flika. Ah ok, faut s'arrêter à la Flika de Weasel News, à côté de Weasel News. Donc on fait quoi, le distributeur Weasel News? Ou le. On fait quoi là? À la Flika. À la Flika. Mais le distributeur du coup. Il y en a pas dans Weasel, c'est la Flika de Weasel. Ah d'accord. Ouais, c'est écrit Weasel News Flika 2. Ah mais c'est les distributeurs à côté. Ouais, je pense que ouais, c'est ça. Tu veux les faire? Ouais, tiens, j'y vais, je suis à côté. Hop là. Hop là. J'ai laissé la porte ouverte, ça plus vite. Ça c'est bon, la banque c'est bon hein. Ouais, les banques c'est good. Et du coup là après. Ah oui, tu voulais que Jorg. Il y en a un deuxième alors, distributeur à Visionium. Celui-là Il est toujours à 10 000, le distributeur que j'ai regardé. C'est là, tu viens d'en rajouter là? Bah oui. J'ai vu 20 000. Attends. Attends, t'as le panneau, de toute façon, je m'en fous. Voilà. Hop. Vas-y, tu vas aller vérifier. Vas-y. Après, c'est peut-être deux différents là, hein. On peut en remettre, mais t'es plein de trucs. Je comprends pas. C'est le pixel. Qu'est-ce qui se passe, non, Jordan? Il y a un souci, il y a deux puces. Mais quand tu rentres dans la deuxième puce, ça te met. Quand tu regardes bien. Ah oui, t'as vu. Ah oui. Attends. Ah oui, ça remplit ouais. Dans. Ça remplit rien du tout là. Merci Terrain, merci beaucoup pour le troisième mois d'abonnement. Re-bienvenue à toi. Merci énormément. Ah oui, voilà. Ouais, parce que on peut. Mais moi j'arrive pas à mettre les sacs dedans. Hein.
C'est le patron qui s'occupe des distributeurs de la ville, faudrait lui dire c'est de la merde. Tu lui diras ? Oui, je lui dirai oui. Donc, ok, celui-là il faudra le signaler. Il y a un flic petit souci. La flic à Weasel. Ouais, c'est ça. Tu voulais que je cherche Low Power Street. Non, c'est pas ouais. Ça tout à l'heure. Si, c'est ça. Attends, je vais me mettre en position pour chercher sur la carte. Hop là. Low Power. Alors, si tu arrives à trouver Low Power Street. Merde. Heritage Way. On a un problème. Pourquoi ? Je crois qu'on va se faire régresser. Je suis pas bien sûr. Oui. Je fais mon c'est vital ou pas ? Ah ! Oui, oui. Bougez pas ! Bougez pas, partez de là, monsieur ! T'as fait le MST Black ou pas ? MST Black, MST Black ! Non, là on repart, on repart. On repart ? Putain ! Putain, c'est refermé ! Faut arrêter avec ces clés, bordel, là, c'est insupportable. Putain, on s'est fait agresser, mais moi je vais porter plainte. Hein. Voilà, et encore une agression. 50 balles du quart d'heure et je me fais agresser, c'est gratuit. Allez, on repart vite, vite, vite. On part d'ici. Et en plus, faut que je ferme ma gueule. Bah. Moi, je sais pas dit de fermer ta gueule. Hein. Bah, non, mais du coup, on part, on fuit, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On bah, appelle même. Oui. Bah, oui, t'as vu, on est le. On est plein. Hein. Bah, oui, je sais qu'on est plein. Donc là, on n'est pas en MST Black. Ah merde. Le véhicule n'est pas immobilisé. On est en quelle couleur alors ? C'était un MST rouge là. Ah d'accord. Ah d'accord. Bah bon, on était quand même pas mal immobilisé. Il a sorti le conducteur du véhicule. Mais j'étais là, dans le véhicule. Oui, c'est vrai. On a pu reconduire direct. Ah oui. Ah, t'as failli te barrer en fait ? Non. Bah non, je suis descendu. Ah. Non, mais parce que tout à l'heure, tu me disais, c'est le camion en priorité. Mais là, le gars, il était pas armé. Non, mais bon, quand même. Je suis fait agresser alors que je. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Bon, alors. Low Power Street. Ah, bah, Low Power Street. Ça, je sais pas où c'est. Hein. Chercher sur la carte. Le Power Street, le Power Street. Le Power Street. Le Power Street, hein, t'as dit. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est bon, je l'ai. J'ai trouvé. Ah ben, le problème, c'est que la rue, elle fait 8 km, alors. Ah. Ah si, t'as un distributeur là. Là c'est écrit juste si c'est écrit si c'est une longue rue ouais c'est ça va être chaud là pour le trouver pour faire toute la y a que celui-là comme distributeur mais vu que les noms des distributeurs ils correspondent enfin tu sais c'est à peu près ouais bah oui ouais j'ai remarqué ça donc ça se peut puis enfin bon on va voir ou quand c'est un carrefour ils mettent les deux des fois parce que là on a encore plein de sacs là. Ouais. Bah après on les finira au dépôt sinon. Hein. On est juste à côté. Et merde putain, bah je me rends à foutre, c'est l'entreprise qui s'est fait flasher. C'est celui-là là. Ouais. Voilà. Bon, et la Maison Banque Arena, du coup. Et après, Maison Banque Arena, non, faut pas y... peut-être pas y aller. On n'y va pas, c'est une petite tache rouge. T'es juste à côté d'une tache rouge. Eh ben, on n'y va pas, et comme, ça leur apprendra ouais, celui-là aussi, là. Ben, du coup, on va donc, où? On va au dépôt on... Ouais, au dépôt, ouais. Comme ça, on va finir au dépôt.
C'est où? C'est là-bas. Là, ouais, ouais, c'est par là. Et là, à gauche après. Mais tellement, Terra Box. Gauche et droite. Vivement une grève, hein. Après, tu feras à la fin de la rue, tu fais demi-tour. Ah oui, merde. Et puis, ah oui, puis je vais faire l'essence. C'est ça. Parce que ça, c'est pareil, hein. Hier, Mathias, il me disait. Le patron, il a une entreprise de BTP aussi. Ouais. Et il y a un gros trou, là, en plein milieu de son entreprise. Ouais, c'est des tests. Ouais, c'est des tests, ça. Qui utilise la fréquence de relance? Personne encore, hein. Ça, il veut pas se signaler, quand même, hein. C'est abusé, hein. Hop là. Hop. Et du coup ça on les met où? Allez, tu me suis? C'est la première fois que tu le fais. Oui, c'est attends, ça oui, 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 attends. Hop là, c'est bon. On va aller à la salle du coffre. Après l'ascenseur. Ouais, c'est ça. T'as bien fermé le camion? Oui, 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 oui. Bien sûr. De toute façon, même si c'était pas fermé, qui c'est qui rentrerait pour le piquer? Oh, on sait jamais, hein. Et là, il faut les déposer au fond. Là, c'est classe quand même comme endroit, hein. Ouais. Et voilà. C'est con qu'on ait pas l'accès au coffre du truc, parce que franchement... Pour être pratique, d'avoir un petit stock. Ah, tu veux qu'on les mette dans... Bah, t'y as accès, toi. Ouais. C'est peut-être plus pratique de les mettre de... Je sais pas, non. Enfin, je... Ouais, après, c'est pour au moins que ça compte dans ta compta. Oh, bah, tu sais, hein. Qu'on vend. Eh, je suis pas à la minute, hein. Je suis pas à la pièce. Est possible de prévoir un transfert. Ouais, je réponds. Pas la pièce, mais vaut quand même $50 du quart d'heure. Et vite, vite, vite. Fermer le camion. Hop là. Hop là, le véhicule est fermé, voilà. Tu veux qu'on les mette dans le coffre là ou pas? Ah, en fait, il reste 10 là. Tu vois, j'en ai 13, vas-y, ça fait un aller-retour et puis voilà, on les vend et puis. Moi j'ai appelé les Beniz pour les 5 camions, les 5 trucs à réparer. Ah oui.
Voilà. Ah non, je croyais que c'était... Il n'y en a plus. Il y en a encore, putain. Voilà. Devinez-moi. C'est bon. J'ai tenu la porte, hein. Je leur donne un bol de rien, ça me fait plaisir. Je vais me changer direct, hein. Ouais, bah, moi aussi, hein. Ok. Hop là. Tu leur réponds à les speedy ou pas? Ouais, ouais. Je vais sortir les camions? Comme tu veux, ouais. Un peu SBC, faut que je les rajoute dans la liste. Bah, il a bien travaillé cet après-midi, Jordan. Oh bah oui. Attends, je vais aller chercher une boisson. Oui, une petite boisson, oui. Genre 8 bull shark, quoi. Burger. Oh putain! Ils ont pas klaxonné! Bonjour. Eh bien, on a fini nos tournées, nous, là. Ok. On était deux seuls en service. Vous avez klaxonné quand vous êtes rentré? Oui, bah il a mis sa sirène. Mais c'est pas klaxonné, ça. Ah, j'ai mis mes gyro. Bah, c'est encore moins klaxonné, les gyrophares. Ah bah, gyro code 3, quoi, avec, la... avec le son, quoi. Oui, c'est de la chance. Dites-moi, est-ce que c'est vous qui avez fait un bip sur la fréquence d'urgence ou pas du tout? Bah, c'est moi qui a demandé si c'était de répondre. Moi, okay. C'est moi qui a demandé après de répondre. Mais il n'y a personne qui a répondu. Très bien. Elle a déjà été changée en plus aujourd'hui? Bah, oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Moi, ouais, j'ai demandé de signaler à la personne qui avait fait ça, mais pas de réponse. Oui, ah, t'avais bien entendu aussi, pareil. Ah oui, j'ai bien entendu, oui. Oui, oui. Ok. On va essayer de savoir un peu plus, savoir si c'est quelqu'un. J'ai vu les éboueurs. Je sais que les éboueurs, ils l'utilisent assez souvent aussi, donc je sais qu'ils tournent en ce moment. Donc, essayer de voir avec eux. Ouais, on va essayer de revoir avec eux. Mais c'est ce que je disais à mon collègue. C'est pas bien grave dans tous les cas, parce que c'est une fréquence d'urgence. Bah ouais, nous dès qu'on entend un truc sur la fréquence d'urgence, bah c'est... Ah c'est oui, vous part, ah bah oui. Oui, parce que nous on a rien à foutre. Bah voilà. Oui, oui, c'est vrai. C'est surtout nous, en fait. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ok, bon, si c'est bon pour vous, on va essayer de voir chez Rogers, du coup. D'accord. Okay. Bah, et j'ai vu aussi Arc aussi qui tournait. Je suis pas sûr qu'on aurait donné aussi la nouvelle. Je sais pas la nouvelle encore. Faudrait que je demande. Ok, très bien. Bon, on va regarder ça de notre côté, du coup. Ça marche. Bah, allez, okay. Bah, merci bien. Au revoir. À vous. Merci, au revoir. Et ils viennent le Benizle ou pas? Tu peux faire l'appel tant que je suis tous les camions? Ah, tu les as pas appelés? Ah, d'accord. Je croyais que tu les avais appelés.
Salut Shakit. C'est bon, l'appel vient d'être pris. Ok. C'est le rouge. Ah oui, bah j'y avais pas. Attends, tu le ranges là ou pas? Non, je le range pas. Attends, je le range. C'est Speedou, bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Tout est marqué sur l'intranet. Le véhicule à faire réparer. Ouais, oui, oui, oui. Ouais, ça marche tellement bien votre intranet que ce matin tout était cassé, vous étiez tous perdus, je suis sûr. C'est la panique. Tu peux sortir à l'ouvreuse? Oui. Oui, on peut jouer ensemble, Fred. Bah vas-y, reste là, on joue un peu plus tard, si tu veux. Et bonjour. Merci Winter Pollux, merci beaucoup pour le troisième mois d'abonnement, merci énormément. Et après c'était pas. Eh oui, non mais si, non mais ça me fait plaisir. Après, je jouerai avec Fred en premier, c'est lui qui a demandé en premier. Désolé les autres. Hein. Après, je t'emmène récupérer ton véhicule après. Ah oui, je veux bien, oui. Tiens, quand tu m'as bien aidé. Oh c'est quoi ça? Oh dis donc merde, bah non mais il faut pas Jordan. T'inquiète. Ouais tu me diras toi c'est quoi, c'est une demi-heure de salaire hein. Oh dis donc tu sais ce que tu viens. Ouais. Oh là là, j'ai jamais eu autant d'argent. Oh tu sais où ça va aller tout ça Jordan? Sur ton compte en banque. Oui. Recouvrir mon découvert. Découvert. Bah oui, je suis à découvert. Comment t'as fait? Bah comment j'ai fait? Moi quand je suis arrivé, on m'a donné zéro, hein. Et puis, fallait payer ci, fallait payer ça, nanani. J'ai passé tous mes permis, tu crois qu'on me les a remboursés? Mais rien du tout. Bah, t'as été à la... comment ça s'appelle? Le diplôme et le premier permis... Te fait rembourser par la banque de la mairie de Los Santos. Ah bon? Ah bah oui. Bah j'avais pas moi ça. Oh bah tiens je vais y direct après là. Oh putain. Le PPA c'est l'entreprise qui te le paye? Oui ça oui, tu sais il m'avait avancé la thune oui. Ah mais je savais pas. Et quand tu restes 2 semaines dans la même entreprise, t'as une prime, si je me rappelle bien, de la mairie de Los Santos. Oui, c'est 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus. Ah oui, bah ouais, tiens, je vais aller à la mairie direct après, là. T'as fait rembourser. Tu l'as fait, ton diplôme? Non. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Si tu veux passer, si tu veux être CDI, oui. Ah. Et voilà, nickel, tout est réparé. Ah oh bah merci. Ok, bah merci. Pas de soucis. C'est bien aimable. Bonne journée. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Au revoir. Non mais là, attendez, là.
énormément d'argent qui vont rentrer d'un seul coup là. Vas-y, je les amène, ils sont fermés. C'est Blackjack ou pas là? Oh putain. Bon, la réponse, je l'ai déjà. Hein. Ah, j'allais sortir celle-là, c'est pour t'emmener. Ah oui, ok, d'accord. En fait, ouais, je pose la question, mais la réponse, je l'ai déjà. Je la connais déjà, hein, c'est vrai. Ben oui, petit Blackjack, en fait. Les 500 balles de... Freddy est quand même respectueux. Et les 500 balles de Jordan, on va les mettre à la banque. Ça va se tomber comme Jaja. On va être giga bien là. Hop là. Nickel. Mathieu. Oui. Attends, faut que je mette la fin de service. Un service pour Freddy. Non, Vic, non. Eh ben nickel, Jordan. Merci bien, et puis merci voilà. Pour les 500 balles. Hein. De rien. Merci beaucoup. Hein. Allez, bon après-midi, à ce soir. T'es là ce soir ou pas? Ouais, je serai là ce soir. Bah, je viens aussi, moi, ce soir. Voilà, ce soir. Il y aura pas mal de transferts à faire. Ah bon? Ouais, il y aura des transferts à faire. Oh là là, trop bien. Il y a 1, 2, 3, 4 transferts à faire. D'accord. Bon, bah, allez, à toutes. À toutes. Ah bah oui, non mais en duo c'est mieux. Non mais clairement. Est-ce qu'on voit la mairie tout de suite? Vous avez déjà lancé une prédiction sur le casino là? C'est quoi la prédiction? Lisez bien la prédiction hein, avant de miser là. C'est est-ce qu'on gagne la première main du Blackjack, c'est ça? Oh putain, on serait fait flasher, merde, putain bordel. Salut Vanen. Ah, sachant que c'est notre jour de chatte aujourd'hui. Hein. On rappelle qu'on a trouvé Vespucci Boulevard du premier coup sur la carte. Cosplay parfaite Clodo. Et tellement pas. Tu sais combien ça coûte un polo comme ça? Quelqu'un dans la boutique là? Hop là.
Je pense qu'il n'y a personne. Je pense qu'il n'y a personne de la mairie. Terrible, terrible. Patience, zéro. Il faut la tenue qui flemme à Freddy. Mais non. Bah oui, non, mais en même temps, il est 16h42. Ça a fermé depuis 1h15 là. Hein. 15h30, ça ferme les guichets. Hein. Putain, eux, ils ont vraiment le meilleur boulot. Hein. Peut-être on ira se faire réclamer notre argent. Banque pour poser les 500 balles. Faut mettre le régulateur. Hein. Faut arrêter de perdre de la thune avec les radars. Là. On peut pas se permettre. À partir de 15h15, à partir de 14h05. À partir de 14h05, tes copains. Eh ben, ça va aller, oui. C'est marrant, ça. Remplir. Pourquoi j'ai encore des sacs? Mais non, j'ai plus rien. Hi there. 500 dollars. Hop là. Et voilà, ça commence comme ça. Hi there. On a 620. On a 500 balles qu'on va les miser. Oh dis donc, belle moto et tout. Et 147 dollars. Mais hier soir j'ai vu quelque chose sur Mr. News. Bim, 50 balles de plus. On va pouvoir miser 673 dollars. Ouais, Jordan, il me les a pas prêtés, hein. Il me les a donnés. Y'a personne. Ils sont où tous? Prêter c'est prêter, reprendre c'est voler.
personne. Je sais que c'est une connerie. C'est une blague. D'ailleurs, Berlu, sur la rediff d'hier, le son a été coupé à un moment. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai, tes copains en ont parlé. C'est vrai, ça, on a parlé sur Discord. Ouais, Jean Dujardin, finalement, se serait rétracté pour les droits musicaux. Écoutez, j'ai pas eu Jean. J'ai pas eu Jean là depuis hier, mais oui, il se serait rétracté. Ouais, du coup, ben tant pis, hein, c'est tout. Y a pas de son sur l'Ardif, et puis voilà, pendant 30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Je peux rien y faire. Hein. Pire que la mairie, les horaires du LSP. Ah non, mon appel vient d'être pris. Jean de Jardin a appelé, il a préféré donner les droits à un certain Brice. 5 minutes carrément? Mais il t'avait pingé. Mais normalement, oui, il m'avait bien pingé sur Discord pour m'expliquer que c'est bon, il me filait les droits. Mais après, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je m'occupe de cette histoire. Monsieur, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, dites voir. Oui, reculez un peu, parce que j'allais dire pourquoi vous me collez comme ça. Ah bah écoutez, oui, bon, allez-y, dites-moi. J'ai eu une petite affiche hier soir sur Weather News, là, que vous recrutiez du monde. Et on m'a dit que c'était 80$ le salaire quand même au quart d'heure. Et... C'est un KDF, oui, il me semble. Hein. Ouais, et moi ça m'intéresse. Hein. Quand vous êtes intéressé que par l'argent, hein, monsieur? Alors moi, le maire, il m'a dit, on rentre les speedy pour l'argent et après ça devient une passion. C'est sa mère qui vous a dit ça? Oui. D'accord. Avec son conseiller, là. C'est à la d'accord, mère. D'accord. Eh bah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je me demande si vous êtes en forme physique pour intégrer nos rangs, monsieur. Pas votre nom? C'est Kid, Freddy Kid. Monsieur Kid, vous pensez être un atout majeur pour Los Santos Police Department dans l'avenir? Bah, je pense, oui. Bah, qu'est-ce que vous avez de bon à nous apporter alors? C'est un entretien là direct ou pas? Non. Ah. Et vous êtes qui vous? Parce que vous vous présentez même pas là. Sergent Lorenzi. Ah oui, voilà, parce que ça se trouve, vous étiez un cadet, hein. Non, non. Je sais pas de quoi. Regardez, vous voyez mes galons là? Ah oui, c'est vrai, dis donc, vous êtes des beaux galons là. Ils sont beaux mes galons? Oh oui, vous êtes beaux galons, oui. Oui, oui. Bah, petite étoile, c'est minimum sergent. Voilà. Ah d'accord, oui, bah ça, je savais pas par exemple. Comme ça, vous pourrez glisser ça pendant l'entretien, monsieur Kid. Ah d'accord. Ah donc, oui, donc c'est pas un entretien là. Comment? Là, c'est pas un entretien donc. Non, non, non. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Monsieur Kid. Oui, oui. Mais D'accord, vous êtes intéressé pour rejoindre nos rangs du coup? Oui, parce que là, je travaille à l'MST, puis je vous avoue que là. Là, à chaque fois, alors moi ça m'est jamais arrivé encore, mais tous mes collègues ils se font kidnapper. Oh bah quelle histoire! Oui, quelle histoire! Et puis avant-hier je gagnais 25$, là je gagne 50$, et puis c'est normal aux yeux de tout le monde. D'accord, d'accord. Donc, quitte, c'est vraiment l'argent quoi. Quitte à voir ma vie en danger, je préfère autant la mettre au service de tout le monde. Et pour 80$? Ah bah largement, oui. Mais j'imagine. Je vais prendre votre pièce d'identité, monsieur Kid, s'il vous plaît. Bien sûr! Hop là! Parfait. Attendez, je vais faire une copie. Hein. Oui, oui, oui. Oui, vous avez une photocopieuse! Ah, bien sûr, monsieur Kid. Matériel haut de gamme, hein. Oh, il y a encore du papier bourré dans l'imprimante, c'est insupportable. Ah là là, vous arrivez à le débloquer ou pas? Allez, venez m'aider, monsieur. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, parce que sinon, il passait la journée, là, des fois, c'est terrible. Allez, allez-y, attendez, je tiens là, allez-y. Allez-y. Tirez le papier, tirez le papier. Oui, oui, allez. C'est bon, ça vient, oh, c'est bon, voilà. Impeccable. Ah, mais qu'est-ce que j'en fous de toute la boule de papier, là? Par contre, vous n'êtes pas autorisé à venir derrière, monsieur Kit, quand même. C'est vous qui m'avez dit de venir, vous rigolez. Ça sera notre petit secret. Hein, vous êtes sergent. Attendez, j'en fais quoi de la boule de papier, là? Ah, mettez-la à la poubelle, mon sang. Oui, la poubelle qui est là. Ouais, ça va être long. Ah, c'est un déchet. Ah non, la poubelle là, tiens. Ah là. Et donc, on part de loin. Hein.
Comme ça, on part de loin. Mais non, bah on était juste derrière le bureau, oui, là. On était... Oh oui, oh, bah, oui, on part de très loin, même. Monsieur Kidd, je vais vous donner votre pièce d'identité. Vous êtes disponible. C'est quoi vos disponibilités, là? Comment ça, c'est... Reprenez votre pièce d'identité, mon mais... sang. Hop, là, voilà. Merci. Excusez-moi. Mes horaires de disponibilité, bah, oui. Je un peu... Vous savez, moi... J'ai pas un vrai métier, donc c'est vous un peu comme vous voulez, les, quoi. Là où les billets vous mènent, quoi. Oui, c'est exactement ça, oui. Et j'imagine, d'accord. Monsieur Kidd... Oh, attendez, j'ai quand même noté un petit peu tout ça, là. En plus, je connais bien la ville. Ça vous fait... connaissez bien la ville, ça fait 3 jours que je suis là. Tout à l'heure, on m'a dit d'aller à un endroit... j'ai regardé la carte et je suis tombé dessus sur la bonne rue par hasard du premier coup. Bah dis donc, vous en avez de la chance. D'accord, vous venez d'où d'ailleurs, monsieur Kidd? De Liberty City. Liberty City? Ok. La petite pomme, comme on dit. Comme vous dites, vous. D'accord. Monsieur Kidd, oui. Parce okay. que normalement, c'est plus la ville libre. Hein. Ah oui? Ah oui. Ah oui, j'imagine, oui. Du coup, vous êtes très intéressé par l'argent, c'est ça? Plus ou moins. Mais bon, je suis désolé, mais quand on a... Écoutez, c'est pas un secret, regardez sur mon téléphone, regardez l'état de mon compte en banque. Regarde, oui. 145 dollars. Oh là là. Et oui, mais au bout d'un moment, ça devient... c'est un besoin primordial. Ah oui, j'imagine. Besoin vital, là. Vital, oui. C'est vital, quoi. C'est primordial. Oui. Vous êtes arrivé donc il y a 2 jours, hein, d'accord? Dimanche, plus précisément. Dimanche, d'accord. Ok. Eh bien, écoutez, je note votre candidature, monsieur Kidd. Candidature qui va être étudiée à la loupe. Vous avez peut-être des références à me donner là? Starkey Hutch. Référence à la MST. À la MST, oui, à des références. Oui, enfin, oui, ah, quel genre oui. de. Bah, le MST Black. Oui. Le C-Vital. Oui. Le seul brigand que j'ai croisé, il est cadet chez vous. Oui. L'ISTC. Oui. Et puis c'est à peu près tout. Hein. D'accord. Voilà, ouais. Et d'accord. Bah écoutez, monsieur Kidd. C'était bien ces références-là, du coup. Hein. Je suis sûr, j'en ai plein d'autres. Hein. Oui, non, ça va aller. Magnum. Magnum, ouais. D'accord. Ouais. Non, bah ça va aller, je pense. Ok. Je vous ai Magnum en référence. Police Academy, tout ça. Ouais. Oui. Ouais, des trucs comme ça. Très bien. Bah écoutez, monsieur Kidd, j'ai noté votre candidature. Vous serez contacté dans les plus brefs délais, bien sûr. Hein. D'accord. Ça, c'est juste pour moi, pour mon information personnelle. Oui, c'est quoi les plus brefs délais pour vous? C'est genre 2 jours, 2 semaines ou 2 mois? Entre aujourd'hui et jamais, quoi. D'accord. Ok, bah là, d'accord. C'est là. Je suis dans le créneau là, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, bah là, c'est bon, je suis bien fixé du coup. Ok. Oui, c'est bon. Merci bien. Dans tous les cas, vous serez content. Non, mais dans les jours qui arrivent, monsieur Kidd. Oui, d'accord. Je vois que vous êtes épris d'une passion pour la police, donc... Ah non, c'est pas pour ça que je demandais. Ah. C'était pour ça s'il fallait que je suce encore le patron et les collègues, là. Ah, attendez. Encore longtemps. Oui. Bonjour, Dresse, vous allez bien? Oui, et vous? Oui. Bah mettez-moi avec Deacon, oui, j'arrive, je suis à l'accueil encore. Ouais. Très bien, allez, plus tard. Oui, donc bah écoutez... Oui, bah je verrai bien. Voilà. Je verrai bien, y a tout, y a votre numéro de téléphone sur votre pièce d'identité, là? Normalement, oui. D'accord, ok. Et bah écoutez, c'est noté, monsieur Kidd. Ça marche, et j'ai mon PPA aussi. Vous avez votre PPA? Oui. Oh bah là, dis donc. Hop là, c'est vital. Félicitations, bah oui, c'est vital, hein. C'est vital. Oui. Hein. Enfin, voilà. Les 4 règles d'ailleurs.
Les quatre règles. Ah ben vous parlez de STC là, attention. Ah c'était un piège. Ah joué, vous m'aurez pas, solide. Vous m'aurez pas, sergent. Hein. Ouais. Enfin, bon ben je vous laisse, hein. D'accord. Allez. Enfin, je dis pas les quatre règles, mais. Ah voulez-vous les quatre règles? Bah c'est simple quand même. Ouais, allez-y, dites-les-moi. Ouais. Alors la première, ouais. C'est que toute arme doit être considérée comme étant chargée, qu'elle soit par terre ou dans les mains de quelqu'un. Mmh. La deuxième règle très importante, c'est jamais l'index sur la détente. Et la troisième règle, c'est qu'on ne vise pas ce qu'on ne veut pas détruire. C'est comme on ne fait pas quelque chose à quelqu'un qu'on ne veut pas qu'on nous fasse soi-même. Et la quatrième règle, c'est qu'il faut être sûr de sa cible et de son environnement. Mais dis donc. Là, j'ai tout retenu, hein. Mais j'étais avec Brigand, hein. Ah oui, bah parfait, parfait, monsieur Kidd. Je suis fier de vous. Allez-y, allez sauver les distributeurs automatiques. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, plaisir. Hein. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, ça, c'est une bonne chose de faite. Hop là. Direction le casino. C'est où le casino? Et c'est là-bas. Je dirais que c'est entre c'est mal barré et c'est pas gagné. Ah, c'est vrai que là, aïe aïe aïe, c'est vrai que on a fait meilleure approche. Hein. Bon allez, là c'est parti là, retour à Mignon. Hop là, que comme ça qu'on gagne de l'argent cette ville. C'est vrai qu'il y a une prédiction, hein. Du coup, acheter. Hop là. Merde. Et donc première mise, je vais la faire à une machine à sous. Eh oui, parce que vous avez fait, vous avez misé, mais vous saviez pas. C'était au blackjack ou une machine à sous. Non, on va faire blackjack, on va faire blackjack. Est-ce qu'on a notre croupier préféré? Ah oh oui, il est là. Welcome to the game. Your bets, if you will. Welcome. Enfin, welcome to me, quoi. Et une seule. Please place your chips now. Une seule, 600 balles. Ten. Oui. Four. That's 17. What do you say? Card? That will be 10. Oh non. Here's a 20. Allez, yes. I hope you enjoyed yourself. Allez, yes. Allez, on s'en va.
Allez, on s'en va, c'est bon. Tout s'est bien passé comme sur des roulettes. On est bon, on est bien, on est bien, on est bien. Mais on n'est plus à découvert, on a 145 dollars. Ça, ça c'est pas dégueulasse. Notre voiture, on la fout trop. Jour de chatte, ah, jour de chatte. Hein. Notre voiture, on va la garer en ville. On va la garer en ville parce que ce soir, à mon avis, on va pas trop s'en servir. Soit on va faire apparemment des transferts entreprises. Ça se trouve, il y aura la réponse ce soir. Pour le speedy. Hop. Bonjour Ruskovitch. Ce soir transfert entreprise, ça se trouve la réponse de la MST. Du SP, je sais pas, on verra. Peut-être qu'on sera attaqué ce soir. KD52 au rapport du coup. Ouais, bah attends, on n'est pas pris parce que vu la réflexion qu'on s'est pris. On aurait peut-être dû tenter une autre approche, hein, je sais pas. Après, on a quand même bien débloqué l'imprimante. Ouais. Après, l'imprimante qui a été débloquée, ça. Ça, je vais bien m'en servir pendant l'entretien. Putain. Hop. 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 Si tu devais faire un perso full sérieux, tu ferais quel métier? C'est une blague. C'est une blague, Pericox. Y'a pas plus full sérieux que lui. C'est une blague. C'est une blague. Ah, le ban est mérité de 10 minutes là. Non mais clairement là. Mais oui.